compte de l'œuvre de la cathédrale de Chartres en 1415 à 1416 asterisque 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 produced by Juliette Sutherland, Reynald Levesque and the online distributed proofreaders Europe at http://dp.rastco.net. This field was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France, BNF/Gallica, compte de l'œuvre de la cathédrale de Chartres en 1415 à 1416 par M. L. Merlet, membre non résident du comité, à Chartres, extrait à bulletin archéologique du comité des toits historiques et scientifiques, année 1889. Paris Ernest Leroux, éditeur 28, rue Bonaparte, 28889 asterisque 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 le compte de dépenses de l'œuvre de Notre-Dame de Chartres, dont nous donnons ici la copie, est un des seuls que l'on possède et c'est à un heureux hasard que l'on en doit la conservation. Pour je ne sais quelle cause, il avait été mêlé avec les registres des comptes de l'Hôtel-Dieu de Chartres, ceux-ci à leur tour furent sauvés de la destruction en 1791 par une circonstance des plus fortuites. Ils étaient dans un placard dont on ignorait absolument l'existence, et ce ne fut qu'en démolissant l'ancien Hôtel-Dieu, en 1866, qu'on découvrit ce placard et les richesses archéologiques qu'il renfermait d'eux. L'humidité avait quelque peu endommagé quelques-uns des précieux registres, mais le dommage était peu important, un des plus éprouvés était précisément celui qui nous occupe. Note 1, nous ne pouvons citer qu'un autre cahier renfermant les comptes de 1586 à 1595, cahier qui a été également conservé parmi les registres des comptes de l'Hôtel-Dieu. Note 2, on a la série à peu près complète des comptes de l'Hôtel-Dieu, depuis 1349, première année où ils furent établis régulièrement, jusqu'à 1790. C'est un cahier in 4, en parchemin, de 46 feuillets. Les cinq premiers feuillets sont complètement rongés par l'humidité, c'est à grande peine qu'on en déchiffre quelques mots. Il contenait la recette pendant l'année 1415 à 1416, les renseignements qu'on aurait pu en tirer étant trop incomplets pour présenter le moindre intérêt, nous avons cru devoir laisser de côté la recette pour ne nous occuper que de la dépense. Bien qu'un certain nombre de feuillets eussent aussi souffert de l'humidité, nous sommes arrivés à presque tout reconstituer, et nous avons ainsi le tableau exact et complet de la dépense de l'œuvre de Notre-Dame de Chartres pendant une année entière. Le registre est couvert d'une forte peau de parchemin, sur laquelle on lit, de la même main que le reste, compte de l'œuvre de l'an finissant à la feste Saint-Géant l'an 1000 CC. L'écriture est partout très soignée, sans la moindre rature, c'était évidemment une expédition. Nous n'avons rien à dire de l'intérêt que peut offrir ce compte du commencement du XVIe siècle. Chacun pourra en juger à son point de vue, car il y a une foule d'enseignements divers à en tirer. Quelques détails pourront paraître superflus, nous n'avons rien voulu supprimer. Nous n'avons omis de mentionner que la dépense ordinaire, qui se reproduit invariablement au commencement de chaque semaine, Arnoul Froumentin, 7s6 den, à l'attacheur des chandelles, 5s10 den. Astérisque 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 c'est le compte des mises de l'œuvre de l'église Notre-Dame de Chartres, fictes par vénérables et discrètes personnes messeigneurs maestres Jacques de Templeuve, sous chantre, Géant d'Autueil et Hervé Estrivard, chanoines et proviseurs d'Issel œuvre, lesquelles mises ont été distribuées par Moy, Pierre Ferrand, prêtre,
Claire de ladite œuvre, depuis la feste de la Nativité Saint-Jean-Baptiste en 1415 inclus jusqu'à la dicte feste l'an 1416. Exclu. Astérisque, 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 dispense de cire fectée pour le luminaire de l'Église depuis la dicte feste Saint-Jean CCCCXV jusqu'à la dicte feste l'an révolu. À la dicte feste Saint-Jean CCCCXV, pour le tour 3 et la perche 4, 45 dièses, pour 4 cierges pour les chandeliers d'argent, 4 dièses. Note 3, le tour était le nom donné aux bijoux attachés au ciborium placé au-dessus du maître-autel. Note 4, la perche était un riche baldaquin situé au-dessus de l'autel. Ce baldaquin était entouré de bougies que l'on allumait au jour de fête solennelle. À la feste de la Magdalène, pour la perche, 10 dièses, et pour 2 cierges pour les chandeliers, 2 dièses. À la feste Sainte-Anne, pour le tour et la perche, 45 dièses, pour 4 cierges, 4 dièses. Item ont testé feuilles 4 gros cierges, pesant chacun cierge 10 livres, lesquels contestés et sont mis en queue aux obits ou anniversaires aux quelques représentation, 40 dièses. À la feste de la Notre-Dame de la Noif, pour perche, couronne 5 et angelos 6, 15 dièses, et pour 4 cierges pour les chandeliers, 4 dièses. Note 5, la couronne était un cercle de cuivre doré garni de bougies, elle était placée derrière le maître-autel. Note 6, les angelots étaient 4 anges en cuivre situés aux côtés du maître-autel et qui soutenaient des bougies. Nous n'avons pas de renseignements certains sur les angelots existants en 1415, mais nous avons un marché passé, le 28 janvier 1458, avec Alexandre de Vins, fondeur, pour faire 4 angelos de cuivre jaune à servir sur les 4 colombes qui sont à 4 coins du grand autel de l'église de Chartres. À la feste de l'Assumption Notre-Dame, pour le tour et la perche et 2 graines torches et pour le maître autel, 61 dièses, pour 4 cierges pour les chandeliers, 4 dièses. À la feste de la Nativité Notre-Dame, pour le tour et la perche et 2 graines torches et pour le maître autel, 61 dièses, et pour 4 cierges, 4 dièses. Le 28e jour de septembre, furent fectes 2 graines torches et pour le maître autel, pour ce que celle des festes précédentes s'estoit trop appétissée pour le vent venant parmi la grande verrière de l'église, laquelle a été hostée et rassise par les verriers, 16 dièses. Pour 4 torches fectes pour les processions fectes par chacune sepmen et églises de cette ville, chacune torche, 4 dièses. Pour 24 cierges pour les bassins et la lanterne, chacun cierge demi-livre, et 2 cierges pour les chandeliers, 14 dièses. À la feste Saint-Denis pour perche, couronne et angelose, 15 dièses, pour les chandeliers 4 cierges, 4 dièses. Pour les bassins et la lanterne 12 cierges de chacun demi-livre, 6 dièses. À la feste de la dédicace, pour le tour et la perche, et 2 torches et pour le maître autel, 61 dièses, pour 4 cierges, 4 dièses. Pour 2 torches et pour l'autel du roi, chacune torche, 4 dièses. À la feste de Toussaint, pour le tour et perche et 2 graines torches et pour le maître autel, 61 dièses, pour 4 cierges, 4 dièses. Le jour des morts, pour la perche, 10 dièses. À la feste de la présentation Notre-Dame, pour perche, couronne et angelose, 40 dièses et 2 cierges pour les chandeliers, 2 dièses. À la feste de la Conception Notre-Dame,
pour le tour et la perche et 2 graines torche et pour le maître autel, 61 dièses, et pour 4 cierges pour les chandeliers, 4 dièses. À la feste de la Nativité Nostre Seigneur, pour le tour et la perche et 2 graines torche et pour le maître autel, 61 dièses, et pour 2 cierges pour les chandeliers, 2 dièses. À la feste de la circoncision, premier jour de l'an, pour la perche, 10 dièses, pour 2 cierges, 2 dièses. À la feste de la Tiphaine, pour le tour et la perche et 2 graines torche et pour le maître autel, 61 dièses, pour 4 cierges, 4 dièses. À la feste de la purification, pour tour et perche et 2 torches et pour le maître autel, 61 dièses, et pour 2 cierges, 2 dièses. Le 19e jour de mars, furent feuilles pour les bessins et la lanterne 24 cierges, chacun de 2000 livres, 12 dièses. À la feste de l'Annonciation, pour le tour et la perche et 2 torches et pour l'autel, 61 dièses, et pour 4 cierges, 4 dièses. Le jour de Pâque, qui furent le 19e jour d'avril Sesekekvi, pour le tour et la perche et 2 graines torches et pour le maître autel, 61 dièses, et pour 2 cierges, 2 dièses. Pour les bessins et la lanterne, 20 cierges, 10 dièses. A est effecté une torche de 4 livres, donnée par l'ordonnance de M.M. les maîtres et maîtres géants du pont, afin de avancer et faire les mémoires de la cause pendant aux requests du palais entre mes 10 seigneurs les maîtres d'une part et M.R. le chevaucier d'autre part, pour le fait d'un aubergeon donné à l'œuvre, lequel M.R. le chevaucier prétend à lui appartenir, 4 dièses. À la feste de l'Ascension, pour le tour et la perche et 2 torches et pour l'autel, 61 dièses, et pour 4 cierges, 4 dièses. Pour les bessins et la lanterne ont été faits 16 cierges, 8 dièses. À la feste de Pentecôte, pour le tour et la perche et 2 torches et pour l'autel, 61 dièses, et pour 2 cierges, 2 dièses. À la feste Dieu, pour le tour et la perche, 45 dièses et pour 2 cierges pour chandelier d'argent, 2 dièses. Astérisque 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 mis fectes par les Sepmens pour l'œuvre de l'église Notre-Dame de Chartres, depuis la feste de la Nativité Saint-Jean-Baptiste l'an 1415 jusqu'à la dicte feste l'an 1416, l'an révolu. En la semaine de l'addicté feste Saint-Géant, commençant le dimanche vigile d'Iselle feste 23e jour du mois de Juin. Le dit dimanche 23e jour de Juin, fut fecté procession générale en église de Saint-Géant en Valais, en laquelle furent portés par 4 chapelains de l'église le joyau donné par feu le roi Charles VII et le chef de Sainte-Anne VIII, Auch 10-4 chapelains, à chacun 15 dés, pour porter les 2 croix, 15 dés, pour porter 6 torches, 2 6 dés, pour le messel, 5 dés, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin durant Issel procession, 7 6 dés note 7, ce joyau, qui existe encore au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale est un camé ancien représentant Jupiter, qui avait été donné au chapitre par le roi Charles V au mois de juillet 1367. Note 8, le chef de Sainte-Anne avait été donné au comte de Chartres, Louis, lors de la quatrième croisade. Avant sa réception, chaque nouveau chanoine était tenu de jurer sur le chef de Sainte-Anne qu'il était né en légitime mariage. Le 10 jours et lendemain, pour la sonnerie de Marie IX à la dicte feste Saint-Géant, 6s, pour les orgues, 6s 8d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10s,
pour Elom le tour et la perche, 22 des points pour 3 douzaines de chapiolk 10 et 3 douzaines de bastons pour les cierges du letrin de l'église, 10 s, et pour autres chapiolk pour les jurés et autres serviteurs de l'église, 5 s. Note 9, la cloche Marie avait été fondue au mois d'octobre 1388, elle devait peser 2000 livres. Note 10, les chapeaux étaient des couronnes de fleurs qu'on plaçait, le jour de la Saint-Jean, au-dessus des cierges qui entouraient le lutrin, on distribuait également de ces couronnes aux serviteurs de l'église. Le jour de la fête Dieu, on donnait à chaque chanoine une couronne de roses, remplacée un peu plus tard par des œillets mignardises. À Jean Perrier, Verrier, pour 3 jours qu'il a besogné S. Verrière de la librairie, pour jour 3 S. à Jequette le bastonnier, Verrier, pour 3 jours qu'il besogné S. Verrière de l'église, pour jour 4 S. à Jean le Royer, Verrier, pour 2 jours qu'il a besogné avec Ledic bastonnier, pour jour 4 S. 2 D. à Jean le Ro, plombier, pour 3 jours qu'il a besogné à jecter du plomb en table et à besogneur à couvrir de plomb en la cheminée de la chambre des comptes et environ, pour jour 5 s à Jean Morel, pour 3 jours qu'il a besogné avec ledic plombier à faire ce que dit est, pour jour 3 s 4 d. à Estienne Aveline, pour 3 jours qu'il a besogné avec les 10 plombier, pour jour 3 s 4 d. à Jean Bricde, pour 3 jours qu'il a ouvré à Aster et apporté les pierres qui estoient en l'église en l'hostel de la loge et à servir les 10 plombiers, pour jour 2 s 2 d. à Jean Douge, pour 3 jours qu'il a besogné avec le dit Bricde, pour jour 2 s 1 d. à Denis Domesnil, S. Veilleur, pour 4 jours qu'il a besogné à destindre les chandelles parmi l'église et nectaire et Rissel, par jour 20 d. à Petit Guillot, cloutier, pour 500 000 de clous de 20 livres achetés pour les plombiers pour couvrir de plomb en la cheminée de la chambre des comptes, le 1030 s en charbon, pour les plombiers et verriers, 10 d. pour 8 bottes de parchemin, c'est à savoir 6 bottes de francine, chacune botte 40 s 10 d, et 2 bottes de vélin, l'une botte 30 s et l'autre 36 s 3 d, achetées pour la garnison de l'œuvre par Messire Jean le Pelletier, chapelain de la Sainte Chapelle du Palais, lequel parchemin est ordonné estre emploi et est mis pour faire escrire des processionnaires et autres livres nécessaires pour l'Église. À Philippe au Mauvoisin, pour 16 serrures portatives, desquelles sont fermées les verges estant dessous les letrins de la librairie, auxquelles verges sont attachées les livres, pour chacune des dictes serrures 8S9D. Pour une loquetière garnie et fournie de 36 loquets, mise en lui de l'addictée librairie, pour l'addictée loquetière et loquet par marchier fait par MM les Mestres avec le dit Philippot, 70 s audit Philippot, pour une autre loquetière mise au premier 8 de revestière, garnie de 12 loquets, 30 s audit Philippot, pour avoir refait et coûté un courail mis en lui de la vis d'emprès le Benatier, 20 d audit Philippot, pour 4 couplets à pommes, c'est à savoir 2 graines encramponnées et 2 autres pitailles. Mis solmoires qui sont en l'addictée librairie, est-ce qu'elles sont mis les livres d'Issels, les qu'elles ne sont pas attachées, et 2 serrures encramponnées, 25 s pour avoir bruni les 2 burettes du maître hôtel, 20 d'en. Astérisque 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 en la semaine de la Saint-Martin, commençant le dernier jour de juin. À Jean le Ro, plombier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à couvrir de plomb près la cheminée de la chambre des comptes et selon la couverture d'Issel chambre, par jour 5 s à Jean Motet, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec le dit Leroux, par jour 3 s, 4 d.
à Estienne Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec les 10 plombiers, par jour 3 S4D. À Jequette le Bastonnier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné Espanneau des Verrières de l'Église, par jour 4 S à Jehan Rogir, charpentier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré tantant près la cheminée de la dicte chambre et en une cheminée qui est ordonnée estre fecté en la chambre au verrier, pour jour 3 S4D. À Jehan que d'âne, de mourant à Berchir la Mingo, pour 5 sextiers de plâtre acheté pour la dicte cheminée des verriers, chacun sextier 6 S8D. À Denis Domesnil, esveilleur, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à restreindre les chandelles, nectaire l'église et servir les ouvriers, 7 S6D. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné, la dictée chambre des comptes comme à, commandiller la dictée cheminée, 20 S à Pasquier Saint, cordier, pour un semblot de taille pour Gabriel, 4 S à Richard de la Saussoie, pour 7 fenêtres mises, les 6 S fenêtres des 6 autels de l'église, les qu'elles sont estées remuées, et la 7e en une grande fenêtre qui est en la librairie, en laquelle descendent les audicelles librairies, pour bois, peine et façon, 26 S audit Richard, pour 5 carreaux mis. Employé à housser par-dedans les 2, sic, au moir de Saint-Laurence et de la chapelle aux Chevaliers 11, 4 S2. Des notes 11, la chapelle des Chevaliers, ainsi appelée parce qu'elle avait été fondée par Bureau de la Rivière et autres chevaliers, à la suite d'une victoire remportée en l'île de Chypre, était dédiée aux saints apôtres. Elle se nomme aujourd'hui la chapelle de la Communion. Audit Richard, pour demi-jour qu'il a ouvré, lui et son varlet et apéranti, à housser de bois par-dedans les dictes 6, sic, au moir, 5 S audit Richard, pour un huis de la cuisine des notaires de 3 pieds et demi de large et de 6 pieds de haut, fait à l'imande, tant pour bois comme pour façon, 12 S 6 D audit Richard, pour 2 tringles de 10 pieds de long mis en la couverture de plomb fecté environ la chambre des comptes, 2 S 6 D. À Yvonnet Paris, pour avoir relié tout de nuef et mis en 7 des livres de la librairie, l'un nommé Mandagotu, le second, un Inforsade, le troisième Rabanus Super Matheum, le quatrième Albinus Super Ecclesiaticon, Bede de Gratia Contra Julianum, Bede Super Cantica Canticorum et, Iunum Aliud Commentarium, le cinquième Questions Albini Super Genesim, le sixième Glos Guillemi Parisiensi Episcopi, et le septième Psalterium Grecum, pour tout 45 S à Huguet de Villavac, pour un sextier de plâtre, passé et employé à la tremuée de la cheminée au verrier, 7 S 6D. Pour un brayé pour le moineau duquel est sonné couvre-feu 12, 2 S 6D note 12, outre les cloches principales Gabriel, Marie, Bourdeaux et Chartin, il y en avait encore 2 autres qu'on appelait le gros et le petit moineau, et qui servaient dans les circonstances moins solennelles astérisque 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 en la semaine d'après la Saint-Martin commençant le 7e jour de juillet. À Huguet de Villavac, pour une gouttière de 3 toises mise par le diplômier en la chambre du conseil, chacune toise 3 S4D. À Jehan Perrier, verrier, pour 3 jours et demi qu'il a besogné S verrière de la librairie, chacun jour 4 S à Jehan le Royer, pour 6 jours qu'il a besogné S panneau des verrières de l'église et à asseoir les panneaux des verrières de la dicte église, par jour 4 S 2D. À Jequette le Bastonnier, pour 6 jours qu'il a besogné avec les 10 verriers, par jour 4 S à Colin Caillard, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné en la cheminée de la chambre des verriers,
pour chacun jour 5 S à Vincent Patouin, neveu du dit Colin, pour 3 jours qu'il a besogné avec le dit Colin, par jour 3 S 4 D. À Géant Douge, pour 6 jours tchou il a besogné à servir les 10 maçons et le paveur qui pave la cour des enfants d'Aulbe, par jour 2 S 1 D. À Géant Briquède, pour 6 jours qu'il a besogné avec le dit Douge à faire ce que dit est, par jour 2 S 1 D. À Denis Domès Nil, S veilleur, pour 6 jours qu'il a besogné à desteindre les chandelles, le lundi à necter l'église et servir les ouvriers, par jour 20 D. Pour 2 aquets et 4 graines SQL de bois, pour servir à la fonte de la cire, 2 S 6 D. En charbon pour les plombiers et verriers, 20 D. Pour une pelle, 10 D. À Simon Pichon, pour 6 épsiers de chaux pour faire la cheminée au verrier, le sextier 3 S. 9 D. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour 3 crampons ou potences de fer qui soutiennent la gouttière mise en ladite chambre des comptes, pesant 19 livres, chacune livre 15 D. À Nicolas de Verson, écrivain, pour avoir couvert et relié tout de neuf 4 des livres de la librairie, l'un nommé partionnaire de l'exposition grammaticale d'aucuns MOS de la Bible, avec le grand Donaste, le second, Priscian le majeur, le troisième, Bed Supermarkum, le quatrième nommé Terence, ou quel a 3 divers volumes qui ne sont pas d'une grandeur, lequel livre il a convenu necter et rongneur et maître de son parchemin, pour tous ceux, 45 S à géant que d'âne pour 3 sepsiers de piastre, le sextier 6 S 8. Des astérisques 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 en la semaine Saint-Arnoux commençant le 14e jour de juillet. À Jequette le bastonnier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné, par jour 4 S à Géant Perrier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné et panneau des verrières de l'église, pour jour 4 S à Géant Le Royer, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les 10 verriers, pour jour 4 S 2 D. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la cheminée de la chambre au verrier, pour jour 5 S à Vincent Patouin, maçon, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la dicte cheminée, pour jour 4 S à Géant Briquède, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à servir les 10 maçons, par jour 2 S 1 D. À Guillaurichuste, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à servir les 10 maçons et celui qui fait le pavé de la cour aux enfants d'Aulbe, par jour 2 S 1 D. À Denis Domès Nil, S veilleur, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à necter l'église et aidier à servir les 10 maçons, par jour 20 D. À Simon Pichon, pour 6 sextiers de chaux mis en mortier pour la dicte cheminée au verrier, le sextier 3 S 9 D audite Simon, pour 1 sextier de sablon, 20 S à Géant Motet, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la fonte de la cire du trait de la Saint-Géant, par jour 3 S 4 D. À Colin Fremin, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la dictée fonte avec le dic Motet, par jour 2 S 6 D. À Géant le Dolphin, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les 10 motets et Fremin, pour jour 2 S 6 D. À Estienne Aveline, pour 1 jour qu'il a besogné en la dictée fonte, 3 S.4 D. À Géant Douge, pour 4 jours et demi qu'il a besogné, c'est à savoir lundi à servir les maçons et 3 jours et demi à la dicte fonte, par jour 2 S 1 D. À Guillemin Fouchier, tonnelier, pour avoir relié les jalles et aux jettes pour la dictée fonte, où il a mis 1 jour et demi,
lui et son varlet, et emploie son cercle et osier, pour tout disait au varlet de Colin Caillard, pour 4 jours et demi qu'il a servi son dict maître, par jour 20 dés. Lundi, 15e juillet, pour la dispense de solques qui ont testé à la fonte, pour pain, char, sel, fèves et verjus, 5s, mardi, pain et chair, 3s 9d, mercredi, pain, œufs et chair, 3s, 4d, vendredi, pour pain, œufs, baran, fèves et bure, 4s, samedi, pour œufs et rerons, 2s 6d, en EAUE pour toute la semaine, 5d, pour 26 pots de vin pour toute la semaine, chacun pot 6d. À Lubin Poitrimoule, pour 2 milliers 3 quarterons de tuiles, pour recouvrir en l'hostel de l'horloge du Costé où l'on fait la cheminée aux verriers et en un appentis qui est en l'hostel où demeure Philippot de l'horloge, chacun 1 millier 45 s à Yvonne Paris, écrivain, pour avoir relié et couvert tout nu F7 des livres de la librairie, le premier contenant la vie de plusieurs saints, auxquels ont été adjustés 5 autres keyers, le deuxième digeste vieille, couvert de cuir verd, le troisième contenant partie des chroniques. Commençant au temps de Constantin et Saint-Sylvestre, auquel il a mis 8 fueilles de vélin, le quatrième contenant une partie de Tito Livio, auquel il a mis 12 feuilles de vélin, le cinquième contenant plusieurs livres de logique, le sixième nommé Géronimus contra Jovinianum, le septième est dernier, un ancien livre de Loïse à images, semblablement couvert et relié tout de nuef, pour tous ceux, 65 s auditivonnais, pour 36 fermoués garnis de bourdon pour fermer les 10 livres, chacun fermoué 5d. À Nicolas de Verson, écrivain, pour avoir couvert et relié 4 des livres de la librairie, le premier contenant Exception Prisciani, lequel a été couvert seulement, le deuxième nommé Gregorius Dialogorum, couvert et relié tout de nuef, le troisième, de Art Dictandi, relié tout de nuef, et le quatrième, Virgilio Senedo et Commentarium Super Bucolica Virgilii, semblablement relié et couvert tout de nuef, pour tous ceux, 25 s astérisque 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 en la semaine de la Magdalène commençant le 21e de juillet. Le dimanche 21e du dit Moïse, fut fecté procession générale, en laquelle furent portés le chief de Madame Sainte-Anne et la chasse de Saint-Uduol 13, à 4 chapelains qui les portèrent, à chacun 15 d, pour 8 torchers portés en ladite procession, 3 s 4 d, pour la sonnerie de Gabriel 14 fecté durant Isel procession, 8 s, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 7 s 6 d, pour porter le messel, 5 d note 13, le corps de Saint-Hugues Dual, évêque de Tréguier, était renfermé dans une châsse couverte de lame de vermeil. Note 14, la cloche Gabriel avait été fondue, le 27 septembre 1414, par Naudin Bouchard, fondeur d'Orléans, elle pesait 12,436 livres. À Guérin-Louvet, payeur, pour 38 toises de pavement par lui faitant à l'entour et selon les goûts de la librairie, comme à l'entrée de la porte d'Issel et selon l'allée de l'addictée porte qui est devant le plaidoyer de chapitre, et semblablement toute la cour de l'hostel des enfants d'Aulbe, pour chacune toise par lui fectée et dont on lui a mis en place toutes les matières, 4 s 2 d. Le jour de la Magdalène, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10 s pour la vigile et le jour de la feste Sainte-Anne, pour la sonnerie de Gabriel, 8 s 6 d, pour les orgues, 6 s. 8 d pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10 s, pour Elome le tour et la perche, 22 d. À Géant Perrier, Verrier,
pour 2 jours et demi qu'il a besogné s verrière de la librairie, pour jour 4 s à Jequette Bastonnier, verrier, pour 2 jours et demi qu'il a besogné s panneau des verrières de l'église, pour jour 4 s à Géant le Royer, verrier, pour 2 jours et demi qu'il a besogné avec le dit bastonnier, pour jour 4 s 2 d. En charbon pour les verriers, 20 d. À Colin Caillard, maçon, pour 2 jours et demi qu'il a besogné en la cheminée au verrier, par jour 5 s au varlet du dit Caillard, pour 2 jours et demi qu'il a servi son dit maître, pour jour 20 d. À Géant Briquède, pour 2 jours et demi qu'il a servi le dit Caillard, par jour 2 s 1 d. À Philippot de la Saussoie, pour 1 jour et demi qu'il a besogné tant à apporter la brique de Saint-Géant en vallée pour la dicte cheminée comme à servir le dit Colin, par jour 2 s 1 d. À Géant Motet, pour 2 jours et demi qu'il a besogné à recuire la cire du trait de la Saint-Géant, par jour 3 s 4 d. À Géant le Dolphin, pour 2 jours et demi qu'il a besogné avec le dit Motet, pour jour 2 s 6 d. À Colin Fremin, pour 2 jours et demi qu'il a besogné avec les deux sudises, pour jour 2 s 6 d. À Géant Douge, pour 1 jour et demi qu'il a besogné en la dite fonte, par jour 2 s 1 d. Mardi, pour despense des dessuses nommées qui ont ouvré à la fonte, char, pain et verjus, 3 s 4 d, mercredi, œufs, fromage et bure, 3 s, samedi, pain, rerons et œufs, 3 s 4 d, en EAE, 5 d, pour 15 postes de vin pour toute la semaine, Prince en l'hostel de Simon de l'Aubespine, chacun pour 8 d. À Philippot Mauvoisin, Fèvre, pour 4 petites pommeules, 2 verrous et 2 crampons, mis en 2 chaises et qui sont en la librairie, et pour 2 gonds et 2 crossettes de 2 pieds de long, avec un courail mis en une grande fenêtre restant en la dite librairie là où descend le LE de au-dessus, pour tout 15 s audite Philippot, pour avoir fait et mis 6 serrures et 6 fenêtres de l'église nouvellement fectes et hôtels qui ont été feuilles et reculées contre le mur de l'église, pour chacune des dites fenêtres pour serrures, crossettes, gonds et tirouères, 40 s pour 2 bretelles, 3 s 4 d astérisque 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 en la semaine de la feste de Saint-Père au lien, commençant le 28e de juillet. À Nicolas de Verson, écrivain, pour avoir couvert et relié de neuf 8 petits livres de la librairie, c'est à savoir la nommée Topica Boissei et Librum Elancorum, le deuxième, Retractation Augustini, le troisième, Commentum Boissei Super Logica Vetri, le quatrième, Tractatus Super Transium, le cinquième, Diadema, le sixième, Quatuor Evangeliste Cum Canonibus, le septième, Vita Transii, et le huitième, Libri Philippi Carum Tullii, pour tous ceux, 45 s à Géant Rogir, pour un solivo de 15 pieds de long mis en la cheminée des verriers, 4 s 2 d. Pour 2 burettes d'estain achetées pour servir à la dernière messe, 5 s pour 20 données à celui auquel messieurs ont marchandé de cure le puits qui est devant l'hostel de monsieur le prévôt de Mazanger, 20 d. À Géant Perrier, verrier, pour 4 jours qu'il a besogné s verrière de la librairie, pour jour 4 s à Jequette le bastonnier, pour 4 jours qu'il a besogné s panneau des verrières de l'église, par jour 4 s à Géant le Royer, pour 4 jours qu'il a besogné avec le dit bastonnier, par jour 4 s 2 d. En charbon pour les 10 verriers, 10 d. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné en la cheminée de la chambre au verrier, par jour 5 s à Vincent Patoin, son épveu,
pour 4 jours qu'il a besogné avec le dit Colin, par jour 4 s au varlet du dit Colin, pour 4 jours qu'il a servi son dit maître, par jour 20 d. à Jean Briquet, pour 4 jours qu'il a besogné à servir les 10 maçons, par jour 2 s 1 d. à Jean Douge, qui semblablement a ouvré avec le dit Briquet à servir les 10 maçons par les dites 4 journées, pour jour 2 s 1 d. à Denis de Mesnil, s veilleur, pour 4 jours qu'il a ouvré à nectaire l'église et d'esteindre les chandelles, par jour 20 d. à Jean Motet, plombier, pour 4 jours qu'il a besogné tant à plomber une petite gouttière qui a été mise en la chambre des comptes comme à estouper trou estans ou grand clochier de plomb, pour jour 3 s 4 d. à Philippe Mauvoisin, pour une sous-pente ou crampon de fer mis en la gouttière de la chambre des comptes, pesant 8 livres, chacune livre 15 d. à Robin Desmoulins, charpentier, pour un jour et demi qu'il a besogné à faire un trueil pour cure et nectaire le puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, pour jour 4 s à Jean Desmoulins, charpentier, pour un jour qu'il a ouvré avec le dit Robin, son père, 4 s à Guillemin Fouchier, tonnelier, pour 2 graines seille par lui fectesse pour cure le dit puits, 10 s à Philippe au Mauvoisin, pour 12 chandeliers à platène pour maître et attaché s 6 hôtels nouvellement reculés et mis contre le mur de l'église, 70 s à Yvonnet Paris, écrivain, pour avoir relié 4 des livres de la librairie, le premier nommé Liber de Joanni de Divini Nominibu, le deuxième Augustinu de Doctrina Christiana, le troisième, Admonitions Caesarii cum quibus dans Sermonibu Augustini, le quatrième Cassiodorus de Septant Artibu, pour tous ceux, 25 s à Nicolas de Verson, pour avoir semblablement relié 4 autres livres de la dicte librairie, le premier, Bede de Compoto, le deuxième, Martianus, le troisième, Emo super epistola atrum a Annos, et le quatrième, Rhetorico cum commento, pour tous ceux, 25 s pour 2 longues tranches de cuir d'Espagne, desquelles sont testées feuilles les fermouées des dies livres, 2 s 6 d. à Simon Pichon, pour 6 sextiers de chaux pour la cheminée au verrier, 22 s 6 d audit Simon, pour un muit de sablon, 20 s pour 20 donné à Motet et autres qui pesèrent la cire de la fonte, 5 s pour 4 frettes pour les roses qui sont pour cure le puits, dont ci-dessus est fecté mention, 2 s 6 d astérisque 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 en la semaine Saint-Laurence commençant le 4e d'août. À Jean Perrier, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné s verrière de la librairie, par jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné s panneau des verrières de l'église, par jour 4 s à Jean le Royer, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné avec le dit bastonnier s panneau des hautes verrières de l'église, par jour 4 s 2 d. à Colin Caillard, maçon, pour 5 jours qu'il a besogné tant à échever la cheminée et le fourneau des dies verriers comme à commandiller à faire une autre cheminée en l'hostel où demeure Philippe Mauvoisin, pour jour 5 s à Jean Briquet, pour 5 jours qu'il a servi le dit Colin, pour jour 2 s 1 d. à Jean Douge, pour 4 jours qu'il a besogné tant à servir le dit Colin comme à apporter la brique de Saint-Géant en vallée, et aussi à porter en l'hostel des enfants Pierre qui estoie devant le puits, lequel on a commandillé à cure, pour chacun jour 2 s 1 d. à Philippot de la Saussay, pour un jour qu'il a apporté des dites Pierre en l'hostel de la loge, 2 s 1 d. au varlet du dit Colin, pour 5 jours qu'il a servi son dit maître, pour jour 20 d. à Maillet-Guérin, demeurant à Landouville,
pour 6 sextiers mine de plâtre acheté pour la cheminée du dit Filippo, chacun sextier 6S8D. À Géant des Prés, auquel avoir esté marchandé de cureux et nectaire le puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, à STP, par le commandement de messieurs, sur la besogne qu'il peut avoir fecté au dic puits, à lui comme aux ouvriers par lui loué, 47S6D. À Vincent Fillet, maçon, pour un jour qu'il a besogné à asseoir les chandeliers S6 hôtels de l'église nouvellement feuilles et asseoir les gâches des aumoirs d'Isselk, 5S à deux compagnons charpentiers, pour deux jours qu'ils ont besogné pour faire la charpenterie de la cheminée de la petite forge qui est en l'hostel du dit Filippo, à chacun des dix charpentiers, pour chacun jour 4S2D. À Denis Domès Nil, S-Veilleur, pour cinq jours qu'il a besogné à d'esteindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20D. À Jehan le Fort, Chasublier, pour avoir fait et doublé tout de nuef trois garnements, c'est à savoir chasuble, tunique et dalmatique, feuilles du drap de Damas donné par Monsieur le Doyen, pour la façon de chacun des dix garnements, disait à Pasquier Sins, Cordier, pour une corde de taille pour cure et nectaire le puits dont ci-dessus est fait mention, contenant 24 toises ou environ, 12 SID audite Pasquier, pour trois treilles de chanvre, laisse qu'elle conteste mis pour pendre les jales pour cure et nectaire le dit puits. Et pour quatre torches et deux cordes menues pour lier les dictes jales à la corde de taille, 4S2D. En oin pour le trueil du dict puits, 8D. À Yvonne et Paris, écrivain, pour avoir relié et couvert quatre des livres de la librairie, le premier de Mysterii Ecclesiatici, le deuxième, Orosius, le troisième, Lex Salica, et le quatrième, Pascasius de Corpore Christi et Epistole Justem, et pour avoir couvert et relié un psaltier ferial de l'Église, pour tous ceux, 32 SID. À Marin Bellost, pour une pièce de mérien de quatre toises mise en la cheminée Filippo, 5 SID audite Marin, pour quatre solos de 11 pieds de long pour la dicte cheminée, chacun 2 SID. À Nicolas de Verson, écrivain, pour avoir relié quatre des livres de la librairie, c'est à savoir Volumen Librorum Urisii, le deuxième Oribasium, le troisième Excerptac d'Ancanonum, le quatrième contenant plusieurs livres mis et reliés ensemble, c'est à savoir Dialecticam Augustini, Categoria Ejusdem et Categoria Apulia, pour tous ceux, 35 S pour les soufflets des orgues le jour de la Notre-Dame de la Nef, 6 S 8 D. En charbon pour les verriers, 20 D. Pour une lampe pour le lampier de Monsieur de Bourgogne, 5 D. À Filippo Mauvoisin, pour trois clés pour les trois huit du cœur de l'église, dont l'une d'Isselle est creuse, 4S2D astérisque 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 en la semaine de Assumption Notre-Dame commençant le 11 d'août. À Jehan Marceau, maçon, pour avoir besogné à cure le puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Provost de Mazanger, lequel maçon, par marchier à lui fait, doit avoir par jour et par nuit 15 S pour soi des vallées ou dix puits, et y sait lui faire cure, lequel a besogné en la dicte besogne continuelle, tant par jour comme par nuit, depuis le lundi 1 h après midi jusqu'au mardi en suivant environ 3 h après midi, pour ceux, 20 S à Filippo de la Saussée et à Guillaume de Caux, lesquels ont besogné tant à tirer aux roses comme à Hulk descendre ou dit puits, par le temps dessus de clairé, à chacun 8 S 4 D. À Simon Cottereau, Jehan de Lucé, Massé le Charpentier, Yvonne Pépine, Yvonne Beaucheron, Jehan Dubois, Jehan Martin et Henriet de Gros,
Laisse qu'elle son besongnier attirer aux roses pourpure et nectaire le dit puis, et y ont testé continuelle par le temps dessus dit, à chacun 6s8d. À Guillaume Filippo, lequel besongna mardi avec les dessus nommés, 3s4d. À Pasquier Sins, Cordier, pour 2 treize de chanvre pour les jales du dit puits, et pour corde menue, 4s2d audite Pasquier, pour un semblot de taille pour Marie, 4s2d. À Robin Gallois, Thomas Gallois et Jean Martin, pour avoir osté et vuidié les pierres et gravois qui a esté tiré et osté du dit puits, et avoir porté Isel Pierre en l'hostel des enfants d'Aulbe et les gravois mis devant l'hostel de Monsieur Maître Guillaume de Saint-Benin, pour ceux, 5s à Messire Jacques Plomb, notaire apostolique, pour la copie d'une inhibition impétre et de la partie de Monsieur le Chevaussier à l'encontre de M.M. les Maesters de l'œuvre pour le fait d'une nappe donnée pour servir au maître. Hôtel de l'Église emporté hors de la dicte Église par le procureur du dic Monsieur le Chevaussier, 7s6d. Pour 28 livres de suif pour engraisser les tourteaux pour les folles de la feste de l'Assumpétion Nostre-Dame, chacune livre 8d. Pour la sonnerie de Gabriel, fêter la vigile et le jour de l'Assumpétion Nostre-Dame, 12s6d. Pour la sonnerie de Marie, 5s, pour les orgues, 6s8d, pour Elome le tour et la perche, 22d, pour la salonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10s lendemain de la dictée feste, fut dictée et célébrée la messe fondée par Monsieur le comte de Vendosme, pour la sonnerie de Marie, 5s, pour les orgues, 3s4d. À Lucas le Bi, pour avoir joué des orgues à la dite messe, 2s6d. Pour porter à la procession fectée parmi l'église paravant la dictée messe les 3 croix et 2 textes, 2s1d. À Filippo Mauvoisin, Fèvre, pour avoir ressoudé et refait le battant de Marie, par Marchier à lui fait, 4 dièses. Audite Filippo, pour 2 grosses chevilles de fer pour le puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, pesant les dictes 2 chevilles 8 livres et demi, chacune livre 15 d. Audite Filippo, pour 1 clé creuse pour 1 des portes de l'église, 20 d. À Jean Perrier, Verrier, pour 1 compas par lui acheté, 2s6 d. Audite Perrier, pour 3 paires de ciseaux pour Cospé Plomb, 6s8d. Audite Jean Perrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné s verrières de la librairie, pour chacun jour, 4s à Jequette le bastonnier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec le dit Perrier, par jour 4s à Jean le Royer, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les dessus 10, par jour 4s2d. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la cheminée de la forge de l'hostel où qu'elle demeure Filippo Mauvoisin, par jour 5s à Jean Briquède, pour 4 jours et demi qu'il a servi le dit Colin, par jour 2s1d. Au Varlet du dit Colin Caillard, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à servir son dit maître, pour jour 20d. À Jean Douge, pour 1 jour et demi qu'il a besogné à apporter de la brique de Saint-Jean en vallée et servi le dic Colin, par jour 2s1d. À Denis Domesnil, esveilleur, pour 5 jours qu'il a besogné à d'esteindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20d. En charbon pour les plomiers et verriers, 10d. Pour 2 pelles, 20d. À Perrin Itier, orfèvre, pour avoir bruni 2 des encensiers de l'église et appareillé les chesnes d'Isselk, 7s6d. Audite Perrin, pour avoir nectéé la chasse sanctuduale, 5s à Petit Guillot, pour 5 sens et demi de clous à plomb, 5s à lui, pour 4 sens de clous pour les verrières de la librairie,
2s2d. À lui, pour un millier de clous à l'aide, 7s6d astérisque 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 en la semaine de Saint-Barthélemy commençant le 18e d'août. Le dimanche 18e d'août, fut fêtée procession générale en l'église de Saint-Géant en Valais, en laquelle fut portée la vraie croix à 15, à deux chapelains qui la portèrent, à chacun 15d, pour porter les deux croix, 15d, pour porter quatre torches, 20d, pour le messel et l'échappe, 5d, pour la sonnerie de Marie fêtée durant la dicte procession, 7s6d, pour Bourdeau et Chartin, 7s6d note 15, Hervé, fils d'Arnaud, avait rapporté de la Terre Sainte une partie notable du bois de la vraie croix, dont il fit présent à l'église de Chartres. Cette relique était conservée dans un petit tableau de vermeil fermant à volets, qui était appliqué sur une croix d'orfèvrerie, enrichie de pierreries. À Richard Mottet et autres, qui austèrent les clôtures des chapelles de Saint-Mathurin et de Prime, 20d. À Jehan Perrier, verrier, pour 5 jours qui la besognent tant à achever de asseoir les verrières de la Chambre des Comptes, comme à échauffauder l'une des hautesses verrières qui est au cœur de l'église, par jour 4s à Jequette le bastonnier, pour 5 jours qui la besognier en la dicte besogne avec le dit Perrier, par jour 4d. À Jehan le Royer, verrier, pour 5 jours qui la besognier avec les 10 verriers, par jour 4s2d. À Colin Caillard, maçon, pour 5 jours qui la besognier à échever la cheminée de Philippe au Mauvoisin, pour jour 5s au Varlet d'Udic Colin, pour 5 jours qu'il a servi son dit maître, par jour 20d. À Jehan Briquède, pour 5 jours qu'il a besogné tant à servir le dict Colin comme à apporter de la brique de Saint-Géant en Valais, pour jour 2s1d. À Denis Domesnil, esveilleur, pour 5 jours qu'il a besogné à déteindre les chandelles et à nectaire l'église, par jour 20d. À Estienne de Monceau, potier de terre, pour 8 600 de briques mises et employées en 2 cheminées nouvellement fectes, c'est à savoir l'une en la chambre aux verriers et l'autre en la forge de l'hostel où qu'elle demeure Philippe au Mauvoisin, chacun 1025 s audite Estienne, pour 4 douzaines de noces pour la dicte cheminée aux verriers, 20 s à lui, pour 8 ETs ou bretelées de Pesset, 10 s à Simon Pichon, pour 5 sextiers de chaumise et emploi et en l'addicté cheminée, le sextier 3s. 9d audite Simon, pour un muit de sablon de rivière et pour 6 sextiers de sablon rouge, 25 s à Jehan Mottet, pour 4 jours qu'il a besogné tant à aidier à Richard de la Saussée à asseoir une roue par lui fectée pour le petit moineau comme à Aster les cloisons des chapelles de Prime et de Saint-Mathurin, et aussi à aidier au verrier à faire l'échauffeau de la grande verrière dont saille dessus est fectée mention, par jour 3s4d. Pour avoir rapparellié et ressoudé le couvercle d'une des grandes juxtes qu'elles sont fait les présents de par chapitre, 20d. En charbon pour les verriers, 20d. À Richard de la Saussée, pour une roue par lui fectée, mise et assise au petit moineau du clocher de plomb, pour bois, peine et façon, 60 s audite Richard, pour avoir hosté les clôtures des chapelles de Prime, de Saint-Malurin et de Saint-Estienne, 5 s audite Richard, pour une journée qu'il a besogné, lui et son varlet, à asseoir et clouer le plancher de l'hostel Philippot, et pour 2 carreaux par lui mis audit plancher, 8 s 4 d audite Richard, pour plusieurs tingles qu'il a baillé pour la librairie, 2 s 6 d. À Yvonne et Paris, pour avoir relié 4 des livres de la librairie, c'est à savoir la nommée Commentum per Hierarchias et Super Topica Tullii,
le deuxième Augustinus de quibus dancum sutudinibu ecclesiatici, le troisième Glos super Priscianum majorem, le quatrième Concilium Chalcédoniens, pour tous ceux, vingtes pour la prince de Huira, didet asterisque 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 en la semaine de la décollation Sancte Géant commençant le 23e d'Aous. Au maître de chant des enfants d'Aulbe, pour avoir escript et noté par quatre fois un respons, lequel on chante chacun jour en faisant les processions par l'église, 3s9 dès le dix jour de la décollation Sancte Géant, fut fecté procession générale en l'église de Sancte Géant en Valais, pour la sonnerie de Bourdeaux et Chartin fecté durant Issel, 7s6 dès, pour porter les deux croix, 15 dès, pour le messel, 5 dès. À Géant Perrier, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné espano de l'une des hôtesses verrières du cœur de l'église, par jour 4s à Jequette le bastonnier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec le Dic Perrier, par jour 4s à Géant le Royer, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les 10 Verrier, par jour 4s 2 dès. À Regnauvielle, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné s hôtels de Prime et de Sainte-Mathurin, par jour 5s à Vincent Fillet, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné avec le Dic Regnaud, par jour 5s à Guillaume Bretonnier, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné avec les 10 maçons, pour jour 3s 9 dès. À Géant Briquède, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à servir les 10 maçons et à Nectaire et Astor les pierres issues des 10 hôtels par jour 2s 1 dès. À Géant Douge, pour 4 jours qu'il a servi les 10 maçons, pour jour 2s 1 dès. À Denis Domesnil, S-Veilleur, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à Nectaire l'église et d'esteindre les chandelles, par jour 20 dès Odic Denis, pour une nuit qu'il besogna avec seuls qui curèrent le puits d'emprès l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, 20 dès. À Massé-Basile, Charpentier, pour 4 jours qu'il a besogné pour faire et asseoir une clôture ou plaidouer de chapitre, laquelle a été hostée de la chapelle de Prime, pour jour 4s 2 dès. Au Varlet du dit Massé, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec son dit maître, par jour 2s 1 dès. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait guénuict et jour ou clochier de plomb, 22s 6 dès. En chandelle, 10 dès. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour une virole, un pivot et deux grosses chevilles de fer pour les poulies du puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, pesant 17 livres, chacune livre 20 dès audite Philippot, pour deux autres grosses chevilles pour le dit puits, pesant 6 livres et demi, chacune livre 20 dès. En charbon pour les verriers, 10 dès. À Douge et Briquède, pour avoir curé la citerne, 10 dès audite Philippot, pour deux autres viroles pour le dit puits, l'une pour le bout d'amont et l'autre pour le collet, pesant 5 livres, 8s 4 dès audite Philippot, pour deux assereurs du pivot et du poêlier où il tourne, 2s 6 dès audite Philippot, pour deux pommelles, flamanges, deux vertevelles et une queue d'un coureil de l'huile de la cuisine des notaires, 5s audite Philippot, pour quatre pommelles à couple toutées et encramponnées et deux petits loquets à main pour les petits guichets des deux graines le train du cœur de l'église, 10s audite Philippot, pour 4 verges pour les verrières de la librairie, 4s 2 dès. À Pasquier-Sins, pour une corde de taille de 25 toises pour le puits de devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger. 20s astérisque 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 en la semaine de Sainte-Gilles et Sainte-Leu commençant le 1er septembre.
Le mercredi 4e jour de septembre fut faite par Messeigneur Doyen et chapitre l'élection de Monsieur l'évêque de Chartres XVI, et fut dicte au matin une messe du Saint-Esprit, durant laquelle messe fut sonnée la grosse cloche Gabrielle, pour la dicte sonnerie, 8s4d note 16, nous avons ainsi la date exacte de l'élection de Philippe de Boisgiloult, nommé évêque de Chartres après la translation de Martin Gouge de Charpègue à l'évêché de Clermont-Ferrand. Le dict jour, après l'élection fectée par Mesdis Seigneur en la personne de Monsieur Maître Philippe du Bosgilous, furent sonnées toutes les cloches de l'église durant le temps que on mist à chanter Te Deum Laudamus, pour la sonnerie du clochier de plomb 17, 5s, pour la sonnerie des cloches du clochier de pierre 18, 7s6d note 17, jusqu'au XVIe siècle, à la place du plus grand clocher, que l'on appelle aujourd'hui le clocher neuf, était un clocher moins élevé que l'autre, il était en bois. Recouvert de plomb, d'où son nom de clocher de plomb. Il fut incendié le 26 juillet 1506 et reconstruit par Jean de Beauce. Note 18, le clocher de pierre est celui qui est aujourd'hui connu sous le nom de clocher vieux. Sa construction date des premières années du XIe siècle. Pour une petite échelle pour l'attacheur des chandelles, 20d. À Simon Pichon, pour six sextiers de Chaumy et emploi A.S. Hôtels de Prime et de Sainte-Mathurin, le sextier 3S9D Audit Simon, pour six sextiers de Sablon, 10S à Guillemin Fouchier, tonnelier, pour avoir fait deux graines seaux pour le puits de devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, pour bois, peine et façon, 17S6D. À Jehan Perrier, verrier, pour six jours qu'il a besogné espanneau de la maîtresse verrière des Holtais verrière du cure de l'église, par jour 4S à Jequette le bastonnier, pour six jours qu'il a besogné avec le dict Perrier, par jour 4S à Jehan le royer, verrier, pour six jours qu'il a besogné avec l'Esdis verrier, par jour 4S2D. À Massé Basile, Huchier, et à son varlet, pour cinq jours qu'il a besogné à clore le plaidoué de chapitre, par jour 6S4D. À Jehan Duchesne, maçon, pour six jours qu'il a besogné à faire les tables des hôtels de Prime et de Sainte-Mathurin, par jour 5S au varlet dudit Duchesne, pour six jours qu'il a servi son dict-maître, par jour 2S1D. À Jehan Briquède, pour six jours qu'il a besogné tant à servir le dict du chêne comme le maçon qui a besogné au puits devant l'hostel Monsieur le Prévôt, par jour 2S1D. À Jehanin Bernard, maçon, pour quatre jours et demi qu'il a besogné tant en l'hôtel de Prime comme à asseoir et tailler pierre de taille pour les postaux du puits devant l'hostel du dit Monsieur le Prévôt, pour jour 3S4D. À Vincent Fillet, pour un jour qu'il a besogné pour faire les trous de la haultée verrière, dont ci-dessus est fait mention, pour asseoir les barreaux d'Issel, 5S à Jehan de l'Alacreille, charpentier, pour un jour et demi qu'il a besogné espouli qui soutiennent le doulcier du maître hôtel, par jour 5S à Denis Domesnil, esveilleur, pour trois jours qu'il a besogné à nectaire l'église et d'esteindre les chandelles, par jour 20d. À Huguet de Villarjac, pour trois mines de plâtre mises et emploi et en l'hôtel de Prime, le sextier 9s2d. En une livre de ouin pour oindre les poulies du dit puits, 15d. À Jehan Motet et autres qui ont tendu et destendu chapitre, pour 20 à Hulk donné, 5S en charbon pour les verriers, 15D. Pour avoir soudé l'anse d'une des juxtes qu'elles sont feuilles les pressances, 10D.
pour la sonnerie de la grosse cloche Gabriel, fêtée à l'anniversaire de feu Monsieur Maître Regnault de Moulins, laquelle fut sonnée pour le couvre-feu, 12 SID. À Pasquier-Sens, Cordier, pour deux torches et de menues cordes, l'une pour tendre chapitre et l'autre pour les seaux du puits, 20 D. À Massé-Basile, Huchier, pour trois fenêtres de bois par lui fectès en l'hôtel de prime, pour bois, peine et façon, disait à Guillemin Porcheret et son compagnon, pour avoir fait guenuict et jour ou clochier de plomb, 35 S, en chandelle, didet astérisque 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 en la semaine de la Nativité Nostre-Dame commençant le 8 septembre. Pour la sonnerie de Gabriel fectée la vigie et le jour de la Nativité Nostre-Dame, 12 SID, pour la sonnerie de Marie, 6 S, pour les soufflets des orgues, 6 S 8 D, pour la sonnerie de Bourdeau et Chartin, 10 S, pour Elum le tour et la perche, 22 D. Le lendemain de la dicte fest, fut célébrée la messe fondée par Monsieur le comte de Vendosme, pour la sonnerie de Marie, 5 S, pour les soufflets des orgues, 3 S 4 D. À Lucas Leby, organiseur, pour avoir joué des dites orgues à la dicte messe, 2 S 6 D. À Jean Perrier, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné en la haulte verrière restant ou queue de l'église, par jour 4 S à Jequette le bastonnier, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné avec le dict Perrier, par jour 4 S à Jean le boyer, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné avec les dessus 10, par jour 4 S 2 D. À Colin Caillard, maçon, pour un jour qu'il a besogné à faire l'échauffeau pour couvrir le puits de devant l'hostel Monsieur le Prévôt de Mazanger, 5 S à Massé-Basile, Huchier, pour 4 jours qu'il a besogné S clôture du plaidoué de chapitre, pour chacun jour, tant pour lui que pour son varlet, 6 S 3 D. À Maître Laurent Vuattier, maçon, pour 4 jours qu'il a besogné tant à faire des trous pour asseoir des barreaux de fer de la haulte verrière, dont ci-dessus est fecté mention, comme à asseoir les gonds des fenêtres de l'hôtel de prime et les chandeliers dits à lui, et aussi à maçonner et faire tenir les cloisons du dit plaidoué, par jour 4 S à Henri, varlet de André Belliard, pour 2 jours qu'il a besogné à faire des trous pour la dicte verrière, par jour 3 S 9 D. À Jean Briquet, pour 5 jours qu'il a besogné tant à servir les 10 maçons, à aider à faire l'échauffeau comme à servir le paveur qui a pavé 16 semaines au jardin de l'hostel des enfants, selon et à l'endroit de l'égout du dit hostel, pour jour 2 S 1 D. À Jean Dubois, seigneur de S, pour 4 jours qu'il a besogné pour seigneur de la lettre pour couvrir le puits de devant l'hostel Monsieur le Prévôt de Mazanger, pour jour 3 S 9 D. À Guillaume Lémé, son compagnon, pour les 10 4 jours qu'il a besogné à faire ce que dit est, par jour 3 S 9 D. À Richard Poulain, demourant à Téléville, pour 6 sextiers mine et minot de plastre, chacun sextier 8 S 9 D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait guenuict et jour ou clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. À Denis Domesnil, esveilleur, pour 4 jours qu'il a besogné à d'esteindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 D. À Jean Douge, pour un jour qu'il a servi Maître Laurent, 2 S 1 D. À Yvonne et Paris, pour avoir couvert et relié tout de nuef 4 des livres de la librairie, c'est à savoir la nommée Regule Canonicorum, le deuxième Diversi Libri Augustini, le troisième Quidam Liber Medicine, et le quatrième Textum de Crotalium, pour tous ceux, 25 S à Richard de la Saussoie, Huchier,
pour avoir fait un buffet ou dressou et mis derrière le maître-autel, ou quels seront mis les livres de l'Église, pour bois, peine et façon, 67 SID Audit Richard, pour avoir fait le marchepied des chairs du maître. Autel, 6 S3D Audit Richard, pour avoir houssé et mis bois au-dedans des deux fenêtres de l'hôtel de prime, 2 SID. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour avoir referré de la ferreur à lui bailler les seaux qui servent au puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, 20 S Audit Philippot, pour une cheville de fer fermant la queue ou pièce de laquelle est tourné le dit puits, et pour avoir haussier le poilier où tourne le pivot dit celui puits, où il a mis 4 livres de son fer, chacune livre 15 D Audit Philippot, pour la ferrure de 3 fenêtres de l'hôtel de prime, c'est à savoir gond, couplé et 2 serrures de bois pour 2 des dictes fenêtres, pour tout ce 20 S à lui, pour avoir fait d'une verge de fer à lui bailler la verge pour la courtine du dit hôtel de prime, 7 SID Audit Philippot, pour 4 souldoués pour les verriers, chacun 7 SID. À lui, pour avoir refait la moufle ou fausse bélière du gros moineau duquel on sonne couvre-feu, 2 SID. À lui, pour 8 couplets, 2 serrures et les tirouets pour les 4 guichets du buffet ou dressou et mis derrière le maître-autel pour mestre les livres de l'église, 30 S Audit Philippot, pour 2 clés mises en 2 huit de la tourelle de chapitre, 2 SID. À Petit Guillot, pour 100 et demi de clous de 10 livres, 2 S 3D. À lui, pour un 100 de graines crochet bastard, d'esquel que fut tendu chapitre le jour le l'élection fectée de Monsieur de Chartres, 4 S à lui, pour 300 et demi de clous de 20 livres, pour le puits devant Monsieur le Prévôt, 7 S 6D. À lui, pour 200 et demi de clous de 10 livres pour le dit puits, 3 S 9D Audit Petit Guillot, pour 4 milliers de clous pour couvrir de ardoisie c'est lui puis, chacun millier 9 S 8D. À Géant le Fort, Chasublier, pour un coffret ou estui de bois pour mestre les corporals servant à l'hôtel de prime, 2 S 6D. À lui, pour sa peine d'avoir couvert le dict estui et pour sa toile mise dedans, 3 S 4D. À lui, pour ruban et franges de laine, mis en la courtine de l'hôtel de prime, 2 S 6D. Pour soie de pourceau pour faire des brosses pour les verriers, 10 D. En charbon pour les verriers, 15 D astérisque 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 en la semaine Saint-Lubin commençant le 15 septembre. À Géant Perrier, Verrier, pour 5 jours qu'il a besogné espano de la haute verrière de Notre-Dame estant au cœur de l'église 19, pour jour 4 S. Note 19, cette verrière est la première du cœur à gauche. Marie est assise sur un trône, et tient sur ses genoux l'enfant Jésus. À Jequette le bastonnier, Verrier, pour 5 jours qu'il a ouvré en la dicte besongne avec le dicte Perrier, pour jour 4 S à Géant le Royer, Verrier, pour 4 jours qu'il a besongné avec les dessus 10. Par jour 4 S 2D. À Henri, Varlet de André Beliard, pour 5 jours qu'il a besongné à échever de faire les trous pour asseoir les barreaux de fer de la haute verrière dont ci-dessus est faite mention, pour jour 3 S 9D. À Maître Laurence Vuattier, maçon, pour 2 jours qu'il a besogné à échever de asseoir les pierres de taille sous les postolques du puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, et aussi à besongneur ou plaidoué, par jour 4 S à Colin Caillard, maçon, pour un jour et demi qu'il a besogné à faire tout neuf le fourneau de la plomerie, pour refaire et fondre les cendriers de plomb, pour jour 5 S à Géant de Lavaux, charpentier,
pour 2 jours et demi qu'il a besogné au clocher de plomb pour lever et tourner le moineau ou cloche nouvellement fecté, pour faire et asseoir 2 pièces de bois pour mettre les poiliers d'icelle, pour jour 4 s 2 d. À Ligier, Varlet du dit de Lavaux, pour 2 jours qu'il a besogné avec son dit maître, par jour 3 s 4 d. À Géant Motet, pour 2 jours qu'il a besogné à découvrir ou dit clochier pour faire la tirée de la dicte cloche, et à aidier à tourner icelle, 6 s 8 d. À Géant Douge, pour 1 jour qu'il a aidié à faire ce que dit est, 2 s 1 d. À Géant Briquède, pour 4 jours qu'il a servi les ouvriers ci-dessus nommés, pour jour 2 s 1 d. À Denis Domesnil, S-Veilleur, pour 5 jours qu'il a besogné tant à d'esteindre les chandelles, nectaire l'église comme à servir les 10 ouvriers, par jour 20 d. Le dimanche 15e jour de septembre, fut fecté procession générale en l'église de Saint-André, en laquelle fut portée la vraie croix et le chief Saint-Lubin-Vin, à 4 chapelains qui les portèrent, à chacun 15 d, pour porter les 2 croix, 15 d, pour le messel, 5 d, pour porter 6 torchers, 2 s 6 d, pour la sonnerie de Bourdeaux et de Chartin durant la dictée procession, 7 s 6 d. Note 20, le chef de Saint-Lubin, ou plutôt le haut du crâne de ce saint, était renfermé dans un buste de vermeil. Le vendredi en suivant, fut fectée procession générale en l'église de Sainte-Pierre en Valais, en laquelle fut portée la Sainte-Chasse, et durant icelle procession furent sonnées les 2 grosses cloches, c'est à savoir Marie et Gabriel, pour 18 hommes qui les sonnèrent, à chacun 10 d, pour porter les 2 croix, 15 d, pour le messel, 5 d, pour 6 torchers portés par 6 des enfants d'Aulbe, à Hulk donné 2 s 6 d. À Guérin-Louvet, Paveur, pour 7 toises et demie de pavés faits en l'hostel des enfants d'Aulbe, ou jardin d'Issalui hostel, selon et à l'endroit de l'égout d'Issalui, pour chacune toise 4 s 2 d. À Robin Pio, demourant à Aponvilliers, pour 8 toises de carreaux pour mettre en l'hostel des enfants d'Aulbe, chacune toise 5 s 1 d. À Géant le Lièvre, demourant à Cambreuse, pour une charretée de Mérien, pour le dit hostel des enfants, en laquelle charretée à 4 pièces de bois de 4 toises de long ou environ, 18 s à Géant de Lavaux, charpentier, auquel avoir été marchandé de faire la charpenterie du puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, lequel doit avoir, pour rendre toute presticelle charpenterie, tant pour bois que pour peine et façon, 30 dièses. Audit Géant de Lavaux, pour une charretée de bois de lui prince pour faire les grenzlets du dit puits, 15 s à Guillemin Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier, 35 s, en chandelle, 10 d. En charbon pour les verriers, 15 d. À Yvonnet Paris, pour avoir relié et couvert 4 des livres de la librairie, le premier Georgican Virgilii et Virgilii Enedo, le deuxième Summam Dictamini Magitri Somme de Capua, le troisième Casdam Questions at Quatuor Libros Sententiarum Pertinente, le quatrième Unum Librum de Compoto, pour tout 32 SCD. En vain pour nécessité, d'idée astérisque 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 en la semaine Sainte-Maurice commençant le 17e de septembre. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné en la haultée verrière de Notre-Dame qui est tout cure de l'église, pour jour 4 s à Géquette le bastonnier, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré en la dictée besogne, par jour 4 s à Denis Domesnil, S-Veilleur, pour 6 jours qu'il a besogné tant à d'esteindre les chandelles comme à nectaire l'église, par jour 20 d.
à Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gain nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, d'idée. À Géant le Fort, chasublier, pour la façon de la custode de l'hôtel de prime, 2 s, 6 d. À Géant le Ro, plomier, pour avoir lavé, affiné et fondu les cendriers de l'œuvre, est-ce qu'elle a eu de plomb 4290 livres et demi de plomb, pour chacun sans par lui affiné et fondu, 7 s 6 d audit géant l'euro, pour 2 jours qu'il a besogné à souder ou petit clochier de plomb, pour jour 5 s à Estienne Aveline, pour 2 jours qu'il a besogné avec le dict l'euro, par jour 3 s 4 d. À Philippe au Mauvoisin, Fèvre, pour 120 livres de fer par lui mises graines et petits barreaux de la haute verrière de Notre-Dame-Estan ou cure de l'église, laisse qu'elles sont estées rallongées chacun de 4 doigts à chacun bout ou environ, pour y seul que barreaux asseoir en pierre laisse qu'elles tenoient en bois qui en a esté osté, chacune livre 15 des audites Philippot, pour une clé de une des serrures du treillis de fer de l'aumoir où est le chef Saint-Théodore 21, 15 des notes 21, le chef de Saint-Théodore. Avait été rapporté de Rome en 1120 par Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres. Il était renfermé dans une châsse de vermeil à 6 faces. Le dimanche 22 septembre, fut fêtée procession générale en l'église de Sainte-Maurice, en laquelle procession fut portée la vraie croix et le joyau donné par le feu roi Charles, à 4 chapelains qui les portèrent, à chacun 15 dés, pour porter les 2 croix, 15 dés, pour porter 6 torches, 3 s. 6 dés, pour la sonnerie de Bourdeaux et de Chartres infectés durant la dictée procession. 7 SGD. Pour la sonnerie de Marie fêtée à l'anniversaire de feu Guillaume Barbou, 10 S à Simon Pichon, pour 3 sextiers de chaux, tant pour le fourneau des plombiers, comme pour faire du mortier pour la chambrette qui doit être derrière le maître hôtel, le sextier 3 S 9 D audit Simon, pour 4 sextiers de sablon, 6 S 8 D. En charbon pour les plombiers et verriers, 2 S 6 D. Pour une jalette d'huile pour les lampes de Monsieur de Bourgogne, 12 S 6 D, pour le mesurage, 2 D. Pour avoir battu 22 sextiers de ciment, chacun sextier, 15 d. À Philippe au Mauvoisin, Fèvre, pour 2 chandeliers carrés mis en l'hôtel de prime, 20 s audite Philippot, pour 4 autres chandeliers ronds pour asseoir en l'hôtel de Sainte-Mathurin et de Charret, 20 s audite Philippot, pour un loquet de lui par lequel on descend en chapitre, 15 d audite Philippot, pour 4 chevilles de fer mises en l'auvent fait en l'hostel des enfants d'Aulbe, pesant 1 livre, 15 d. À Richard de la Saussaye, huchier, pour avoir fait le dict auvent, pour bois, peine et façon, 20 s astérisque 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 en la semaine Saint-Michel commençant le 29 septembre. À Géant Perrier, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné à échever de asseoir la grande verrière de Notre-Dame-Estan ou cure de l'église et à échauffauder 2 autres graines verrières de Saint-Lubin qui sont près du clochier de plomb 22, par jour 4 s note 22, Saint-Lubin est représenté dans une rose placée au-dessus du 4e vitrail supérieur à gauche en partant du clocher 9. À Philippe au Couillard, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné avec le dit Perrier, pour jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les dessus 10, par jour 4 s à Géant le Royer, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné avec les 10 verrier, pour jour 4 s 2 d. À Géant le Ro, plombier, pour 5 jours qu'il a besogné à souder ou petit clochier de plomb,
pour jour 5 s à Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a besoin de nier avec le dealero, par jour 3 s 4 d. À Géant de Lavaux, charpentier, pour 6 jours qu'il a besoin de nier à tourner le petit moineau nouvellement fait ou clochier de plomb et hisser lui asseoir sur ses poiliers, y faire le fléau ou manévelle, par jour 4 s 2 d. À Ligier, son varlet, pour 6 jours qu'il a ouvré avec son dit maître, par jour 3 s 4 d. À Géant Motet, pour 3 jours qu'il a esté à Besongneur pour aidier Audite de Lavaux et pour découvrir le plomb pour asseoir 2 pièces de bois et qu'elles sont mis les poiliers de l'addictée cloche, par jour 3 s 4 d. À Denis de Mesnil, esveilleur, pour 3 jours qu'il a besoin de nier à d'esteindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 d. Pour la prince de 17 raprins par le sousque des maragliers, 21 d. En charbon pour les plombiers et verriers, 2 s 6 d. Pour 50 chaises garnies de gros annelés de fer et de coquilles pour attacher les livres de la librairie, chacune chaise, 2 s à Petit Guillot, cloutier, pour demi-millier de clous cornus de 10 livres, 7 s 6 d. À lui, pour 12 cents et demi de petits clous, 8 s 4 d. Audite Petit Guillot, pour demi cent de clous de 10 livres, tout pour le puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, 9 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. À Philippe Mauvoisin, pour une tournée ou pour faire mortier pour les maçons, 5 s. Audite Philippot, pour 20 verges de la haulte verrière de Notre-Dame, chacune 10 d. À lui, pour 16 grasouets pour les verriers, chacun grasouet 15 d. Audite Philippot, pour une cuillère à plomb pour les 10 verriers, 5 s. Audite Philippot, pour 2 gratuites d'acier pour les plombiers, 6 s astérisque 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 en la semaine Saint-Denis commençant le 6e d'octobre. À Géant Perrier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besoin de nier en la haulte verrière de Saint-Lubin qui est près du clochier de plomb, pour jour 4 s à Jequette le bastonnier, pour 2 jours et demi qu'il a ouvré avec le dit Perrier, pour jour 4 s à Philippe Couillard, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré en l'addictée besongne avec les dessus 10, pour jour 4 s à Géant le Royer, verrier, pour 3 jours qu'il a ouvré avec les dessus 10, pour jour 4 s 2 d. À Géant le Ro, plombier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à souder au petit clochier de plomb, par jour 5 s à Estienne Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec le dict Lero, par jour 3 s 4 d. À Géant de l'Alletraie, charpentier, pour 3 jours et demi qu'il a besoin de nier en l'hostel de la loge pour faire le môle des plombiers pour jecter plomb en table, par jour 5 s à Géant Rogir, charpentier, pour 2 jours et demi qu'il a besoin de nier avec le dit de l'Alletraie, pour jour 3 s 4 d. À Géant Douge, pour 3 jours et demi qu'il a besoin de nier à d'esteindre les chandelles et nectaires goulières et allées de l'église, pour jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. À Colin Caillard, couvreur, pour avoir laté et couvert d'ardoise le puits qui est devant l'hostel de Monsieur le Prévôt de Mazanger, 6 dièse. Dimanche, 6e jour d'octobre, fut fêtée procession générale en l'église de Sainte-Foy, en laquelle fut porté le chief de Madame Saint-Clane, à deux chapelains qui le portèrent, 2 SID, pour porter 4 torches, 30 D, pour les deux croix, 15 d, pour le maissel échappe, 5 d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin infectée durant la dictée procession,
7SID. À Messire Robert Chufflot, pour les serrures et ferrures de deux omoirs qui sont S-graines omoirs qui ont été hostées de derrière le maître-autel de l'église et apportées en l'hostel de la loge, 15S à Petit Guillot, pour trois sens de clous de 10 livres, c'est à savoir deux sens pour le puits et un sens pour le verrier, 4SID. À lui, pour trois sens de clous à ardoise pour le dit puits, 3S4D. En charbon pour les plombiers et verriers, 20D**** en la semaine Saint-Luc commençant le 13e d'octobre. À Jean Perrier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la verrière de Saint-Lubin qui est près du clocher de plomb, par jour 4S à Philippot Couillard, pour 4 jours qu'il a ouvré avec Ludic Perrier, par jour 4S à Géant de l'Alletraie, pour 2 jours et demi qu'il a besogné à échever de faire le môle des plombiers pour jeter du plomb en table, pour jour 5S à Géant Rogir, charpentier, pour 2 jours qu'il a besogné avec Ludic de l'Alletraie pour faire ce que dit est, par jour 3S. 4D. À Géant Leroux, plombier, pour 3 jours et demi qu'il a besogné à souder au petit clochier de plomb et être présent à asseoir le môle dont est ci-dessus fecté mention, pour jour 5S à Estienne Aveline, pour 3 jours et demi qu'il a besogné avec Ludic Leroux, par jour 3S4D. À Géant Douge, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à désteindre les chandelles et nettoyer l'église, pour jour 30D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clocher de plomb, 35S, en chandelle, 10D. À Guillemin Dufour, pour 4 toises de planchier par lui fait et assis en l'hostel des enfants d'Aulbe, pour façon et peine de chacune toise 2SID. À Petit Guillot, pour un cent de clous de 20 livres pour clouer le dic planchier, 3S audite Petit Guillot, pour un carreton de graines clous ou petite cheville de fer pour clouer le dit môle, chacune cheville 1D. En charbon pour les verriers, 15D. Dimanche 13e jour d'octobre, fut fecté procession générale en l'église de Saint-Martin au Val, en laquelle fut porté le chief Monsieur Saint-Lubin, à 2 chapelains qui le portèrent, à chacun 15D, pour porter 4 torches, 20D, pour les 2 croix et le messel, 20D, pour la sonnerie de Marie fecté durant la dictée procession, 7SID. Le mercredi en suivant, fut fecté procession générale en l'église de Saint-André, en laquelle fut portée la vraie croix et le chief Monsieur Saint-Massé 23, à 4 chapelains qui les portèrent, à chacun 15D, pour porter 6 torches, 2SID, pour le messel et les 2 croix, 20D, pour la sonnerie de Bourdeaux et de Charlin, 7SID note 23, le chef de Saint-Matthieu avait été apporté de Constantinople en 1205 par Gervais de Châteauneuf. Il était renfermé dans un vase de vermeil semé de pierres précieuses, donné en 1210 par Amici, femme de Simon de Montfort. Le jeudi en suivant, jour de la dédicace de l'église, pour la sonnerie de Marie, 6S, pour les orgues, 6S8D, pour la sonnerie de Bourdeaux et de Charlin, 10S, pour Elomel le tour et la perche, 22D. Le vendredi, fut fecté procession générale parmi la ville, et après au revenir fut célébré une messe en la nef de l'église devant l'image de Notre-Dame, en laquelle procession fut portée la sainte chasse, et durant celle procession furent sonnées les cloches de Gabriel et de Marie, pour la dictée sonnerie, 15S, à 6 enfants d'Aulbe qui portèrent 6 torches et en la dictée procession, à Hulk donné pour avoir dépasté, 20D, pour porter les 2 croix,
15 des astérisque 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 en la semaine d'après la Saint. Luc commençant le 20e d'octobre. À Jehan Périer, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné Espano de la Haulte Verrière de Saint-Lubin qui est près du clochier de plomb, par jour 4 S à Jehan Leroux, plomier, pour 6 jours qu'il a besogné à souder au petit clochier de plomb et à jeter du plomb en table, pour jour 5 S à Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a ouvré à faire ce que dit est avec le dic Leroux, par jour 3 S 4 D. À Jehan Mottet, pour 4 jours qu'il a besogné avec les dessus nommés, par jour 3 S 4 D. À Guillaume Briffet, maçon, pour 3 jours qu'il a besogné à abattre ou despécier et à refaire le mur faisant la clôture du cœur de l'église à l'endroit et là où doit être fectée et assise une chambrette pareille et semblable aux autres chambrettes naguère fectes, pour jour 4 S 3 D. À Jehan Prestro, pour 3 jours qu'il a servi le dic maçon, pour jour 2 S 1 D. À Jehan Douge, pour 6 jours qu'il a besoin étant à nectaire l'église comme à desteindre les chandelles, par jour 20 D. À Denis Domesnil, esveilleur, a été donné pour lui aider à supporter la dépense fectée durant sa maladie, disait à Jehan Celerin, varlet de Philippe Mauvoisin, a été donné pour son vin d'avoir ferré et mis les chaises de la librairie, disait à Oudin de Jouy, charpentier, demourant à Blois, lequel est venu de l'addicté ville de Blois en ceste ville de Chartres pour voir la pente et serrure des cloches de la dicte église, 22 S6D. Jeudi 24e jour d'octobre, fut fecté procession générale en l'église de Saint-Père en Valais, en laquelle furent portés par 8 chapelains la vraie croix, le joyau donné par feu le roi Charles, le chef Sainte-Anne et le chef Saint-Lubin, à chacun, 15 D, pour porter 8 torchers, 4 S 4 D, pour les 2 croix et le messel, 20 D, pour la sonnerie de Gabriel fectée durant la procession, 8 S. 4 D. Le vendredi en suivant, fut fecté procession à l'entour du cœur de l'église, en laquelle fut portée la sainte chasse, et après fut dicte et célébrée une messe devant l'image de Notre-Dame, durant laquelle procession fut sonnée Marie, pour la dictée sonnerie, 7 S. 6 D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gain nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. En charbon pour les plomiers et verriers, 20 D astérisque 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 en la semaine de la Toussaint commençant le 27e d'octobre. À Jehan Périer, Verrier, pour 3 jours qu'il a besogné en la verrière de Saint-Lubin qui est près du clochier de plomb et S verrière de la chapelle aux confesseurs, par jour 4 S à Yvonne Pépine, pour un jour qu'il a servi le dit Périer et lui a aidé à mettre à pendre la corbeille, et à le monter et descendre tant comme il besognoit S dictes verrière de la dictée chapelle, 2 S 1 D. À Jehan Douge, esveilleur, pour 3 jours et demi qu'il a besogné à desteindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 D. Pour avoir ré une botte de vilain pour faire escrire et noter les processionnaires de l'église, 5 S à Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gain nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. À Richard de la Saussaie, pour un jour qu'il a besogné à colorer glou à la huche des orgues, et faire les tapons et isolk glou à, tant pour lui comme pour son varlet, 5 S 10 D. En glou de morue et col par lui acheté, 3 S pour une peau de mouton courée herzée de 2 costées pour mettre et color à la huche des dict orgues, 2 S 6 D. Le jour de la Toussaint, pour la sonnerie de Gabriel, 12 S 6 D,
pour la sonnerie de Marie, 6S, pour l'essoufflé des orgues, 6S 8D pour Elum le four et la perche, 33D, pour la sonnerie de Bourdeau et de Charlin, 10S le lendemain, jour des morts, pour la sonnerie de Bourdeau et de Charlin, 8S pour un semblot de tel pour Gabriel, 4S 3D astérisque 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 en la semaine d'après la Toussaint commençant le 3e de novembre. À Jean Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré Espano de la Verrière de Saint-Lubin, pour jour 4S à Jean Douge, pour 6 jours qu'il a besogné à destindre les chandelles et à nectaire l'église, par jour 20D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35S, en chandelle, 10D. Le vendredi, 8e jour de novembre, fut dicté célébré un anniversaire solennel pour les âmes de nos seigneurs et autres trespassés en conflict et bataille fecté le 25e jour d'octobre en Pré-Blangy en Artois 24, durant lequel anniversaire et le jour précédent, aux vigiles et après couvre-feu, furent sonnées les cloches de Gabriel et de Marie, pour 18 hommes qui les sonnèrent, à chacun 15D, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, pour 8 hommes, 10S note 24, cette bataille est celle connue aujourd'hui sous le nom de bataille d'Azincourt. À Richard le Hérisson, sergent du roi Nostre Sire, pour la copie d'une complainte en cas de saisine et de nouvellette et impétrée de la partie de Monsieur le Chevessier à l'encontre de M.M. les Mestres de l'œuvre, pour cause d'un certain aubergeon donné et offert au maître hôtel d'Issel Église, lequel il prétend à lui appartenir, 20S en charbon pour le verrier, 10D. À Moudon-Audouard, pelletier, pour 4 peines blanches pour les robes de Jean Perrier, Perrin Itier, Orfèvre, chacune peine 12S6D. À Philippot Mauvoisin, Fèvre, Jean de l'Alletraie, Charpentier, Jean Leroux, Plomier, et Laurent Vuattier, maçon, en lieu des peines qu'ils devoient avoir pour fourrer leurs robes, à chacun des dessus nommés, 25S au sous-queue, pour la prince de Dira, 12 de Hobby. Astérisque 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 en la semaine Saint-Martin d'Yvée commençant le 10e novembre. À Jean Perrier, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné Espano de la Verrière de Saint-Lubin qui est près du clochier de plomb, par jour 4S à Jean Douge, pour 6 jours qu'il a besogné à destindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb. 35S, en chandelle, 10D. À Olivier M., demeurant en la paroisse de Pommeray en Bretagne, pour 2 bottes de Vesselin achetées pour faire les processionnaires de l'église, chacune botte 37S6D. À Philippot Mauvoisin, Fèvre, pour 7 corbeaux de fer ordonnés estre mis en la tourelle de chapitre pour soutenir les fenêtres ou aumoirs qui seront fectes et assises en la dictée tourelle, pesant les 17 corbeaux 115 livres et demi de fer, chacune livre 15D. En charbon pour le verrier, 10D astérisque 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 en la semaine Saint-Clément commençant le 17e de novembre. À Jean Perrier, Verrier, pour 5 jours qu'il a besogné Espano de la Verrière de Saint-Laurence qui est près du clochier de plomb 25, par jour 4S note 25, Saint-Laurent occupe le 3e vitrail à gauche en partant du clocher 9. On y lit encore l'inscription S. Laurentiu, et dans le bas du vitrail on voit le martyr de Saint-Laurent. À Jean Douge, pour 5 jours qu'il a besogné à nectaire l'église et d'estindre les chandelles, par jour 20D. À Guillaume Porcheret et son compagnon,
pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, d'idée. À Solves qui sonnèrent les cloches de Gabriel et Marie à l'anniversaire et aux bites célébrées le 8e de novembre pour nos seigneurs et autres trespassés ou conflicts et batailles fectées en pré-blanchi, 7 s. À Guérin Bouchier, lieutenant de Simon de l'Aubespine, huissier de chapitre, pour avoir dit et signifié à M.M. de l'Église gouvernant les probants de l'arrest fect contre Solves qui doivent leur chape, 10 s le jour de la présentation Notre-Dame, pour la sonnerie de Marie, 6 s, pour les orgues, 6 s. 8 d, pour porter les trois croix et deux textes, 2 s. 1 d, pour la sonnerie de Bourdeaux et de Chartin, 10 s à Richard de la Saussay, bûchier, pour avoir fait la dernière chambre des maréglier. Estant derrière le maître autel de l'église, tant pour bois comme pour peine et façon, 16 dies 12 s 6 d, en la semaine Saint-André commençant le 24e novembre. Âgé en douge, pour 5 jours qu'il a besogné à d'esteindre les chandelles et nectaire l'église, pour jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. À Géant de Voerre, marchand de Voerre, demeurant à Fueil en Pré-Loigny ou Perche, pour une somme de Voerre blanc contenant 12 pois, et chacun pois 10 livres, 4 dies 5 s, en la semaine de Saint-Nicolas commençant le 1er de décembre. À Géant Perrier, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné espanneau de la Haulte Verrière de Saint-Lubin qui est près du clochier de plomb, pour jour 4 s à Géant Douge, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à nectaire l'église et à d'esteindre les chandelles, pour jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 17 s 7 d, en chandelle, 10 d. À Martin Fillot, pour un brayé pour un des moineaux du clochier de plomb, 3 s 4 d. À Pasquier Saint, pour un semblot de taille pour Gabriel, 4 s 2 d. En charbon pour le verrier, 10 d. À Richard de la Saussay, pour 2 graines poulies de bois par lui achetées pour la couronne et la lampe estant derrière le maître-autel de l'église, 2 s 1 d. Audit Richard, pour un chevron pour mettre et asseoir les dictes poulies et pour sa peine d'avoir mis et assis icelle, 3 s 4 d. À Philippot Mauvoisin, pour 2 clés, l'une pour le torchouaire où sont mises les torches et servant à l'hôtel du roi, et l'autre pour l'hôtel de Bourbon, 2 s 6 d. Audit Philippot, pour un loquet de lui par lequel on descend de l'église en chapitre, 15 d. À lui, pour la ferrure de lui de la petite chambrette nouvellement fectée derrière le maître-autel et de 2 fenêtres restant en icelle, c'est à savoir 6 couplets à pommelle et 3 serrures, et pour avoir rapparellié l'horloge du cadran par plusieurs et diverses fois, 6 dies. En la semaine de la conception Notre-Dame commençant le 8e de décembre. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné espanneau de la verrière de Saint-Lubin qui est près du clochier de plomb, pour jour 4 s à Géant Duchesne, maçon, pour 2 jours et demi qu'il a besogné à clore de plâtre la petite chambrette nouvellement fectée derrière le maître-autel de l'église, par jour 5 s à Géant Douge, pour 6 jours qu'il a besogné à nectaire l'église, d'esteindre les chandelles et servir le dic maçon, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. À Jequette le bastonnier, verrier,
pour 6 jours qu'il a besogné avec Ludic Perrier, par jour 4 s pour 6 sextiers de plâtre acheté pour clore la chambrette dont ci-dessus est fait mention, chacun sextier 10 s le jour de la conception Nostre-Dame, pour la sonnerie de Marie, 6 s, pour les orgues, 6 s 8 d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10 s, pour Elum le tour et la perche, 22 d lendemain de la dicte feste, fut dicte et célébrée la messe fondée par Monsieur le comte de Vendosme, pour la sonnerie de Marie Fectet le dic jour 5 s, pour les soufflets des orgues, 3 s 4 d, à Lucas le Bi, pour avoir joué des orgues 10 jours, 2 s 6 d, pour porter les trois croix et deux textes, 2 s 1 d. En charbon pour les verriers, 20 des astérisque 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 en la semaine 5 Thomas apostre commençant le 15e de décembre. À Géant Perrier, verrier, pour 5 jours qu'il a besogné en la haultée verrière de Saint-Lubin qui est près du clocher de plomb, par jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 5 jours qu'il a ouvré en l'addictée besongne avec Ludic Perrier, par jour 4 s à Géant du Chêne, maçon, pour 5 jours qu'il a besongné à échever de clore de plâtre la petite chambrette nouvellement fectée derrière le maître hôtel, et aussi à besongneur en la table de l'hôtel de Saint-Mathurin, par jour 5 s à Denis. Domes Nil, pour 5 jours qu'il a servi Ludic du Chêne, pour jour 20 d. À Géant Douge, pour 5 jours qu'il a besogné tant à nectaire l'église comme à d'esteindre les chandelles, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gain nuit et jour au clocher de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. En charbon pour les verriers, 10 d. Pour 64 aulnes de toile pour faire des aulbes et surplis pour les enfants, 9 10 6 s à Houdin de Jouy, charpentier, pour un gros carreau de noyau et 25 graines moyen par lui acheté pour faire la roue du petit moineau, 17 s 6 d, pour petit clou pour la digue trop, 10 d. À deux compagnons qui aidèrent à admener une pièce de mérien d'une toise de long ou environ pour faire la hure du dic petit moineau, 10 d. Pour une balance avec le poids, c'est à savoir livre, demi-livre, carte rond, demi-carte rond, acheté par Perrin de Saint-Lomé pour peser la cire des cierges et autres luminaires fait chacun à N pour l'église, 11 s 3 d. Pour deux sextiers mine de plâtre acheté pour échever la table de Saint-Mathurin, le seclier 11 s 3 d. Pour une jalette d'huile pour les lampes de Monsieur de Bourgogne, et pour le mesurage, 11 s 10 d astérisque 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 en la semaine de Noël commençant le 22e de décembre. À Géant du Chêne, maçon, pour 3 jours qu'il a besogné à échever les fenêtres nouvellement fectes de plâtre en l'hôtel de prime, pour jour 5 s à Denis Domes Nil, s veilleur, pour 2 jours qu'il a servi le dic du chêne, pour jour 20 d. Pour la sonnerie de Marie Fectet la vigie et le jour de Noël, 6 s, pour les soufflets des orgues, 6 s 8 d, pour la sonnerie de Gabriel, 12 s 6 d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10 s, pour Elum le tour et la perche, 22 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gain nuit et jour au clocher de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. À Philippe Mauvoisin, pour 4 couplets à pommelle, un verroule et une serrure de bois mis en 2 huit des greniers ou galates estant en l'hostel Nuef qui est devant l'hostel de la loge, pour tout, 15 s audite Philippot, pour 2 verges de fer mises en la verrière Saint-Lubin qui est près du clocher de plomb, et pour avoir levé et rassis la serrure du clocher de pierre, 2 s 6 d. À Perrin-Itier,
pour avoir rappareillé la pomme d'argent 26 en laquelle l'on met le feu sur l'autel, 3s4d note 26, dans un inventaire des joyaux de la cathédrale de Chartres de 1545, on trouve mentionné deux grosses pommes d'argent à mettre du feu pour servir aux prêtres en disant la messe en hiver. Au mois de juillet 1360, pour payer la rançon du roi Jean, le chapitre décida qu'il serait pris 2,000 écus dans le trésor de la chapelle Saint-Pierre, et au cas où cette somme ne s'y trouverait pas, il fut ordonné, perficiatur de Duo upomi aurei existentibu, int zoro point. Audit Titier, pour avoir recloué un fermail d'or de l'épistolier servant pour les festes sola en elle, 2s6d. À lui, pour avoir rappareillé et refait la vis de la croix de la chapelle au chevalier, où il a mis de son argent deux gros éplus, 10s au varlet de Perrin de Saint-Lomé, espicier, lequel fait le luminaire de l'église, pour leur vin à hulk donné pour leurs estrennes, 2s6d. À la cornue, pour avoir fait 8 aulbes pour les enfants d'aulbe et en avoir rappareillé une douzaine de vieilles, 20s à Richard de la Saussaye, huchier, pour avoir fait un petit buffet ou tablette de bois mis en l'église et fait le siège de l'addictée tablette, 25s astérisque 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 en la semaine de la circoncision commençant le 29e de décembre. À Jean Perrier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné en la verrière de Saint-Lubin près du clocher de plomb, pour jour 4s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec Ludic Perrier, pour jour 4s à Simon Pichon, pour 8 tombereaux de beau qui estoient tant en la cour de l'hostel de la loge comme devant Is et lui, chacun tombereau d'idées. À Jean Taupin, pour une pièce de mérien d'une toise de long achetée pour refaire la hure du petit moineau, disait-ce à Jean Douge, pour 4 jours qu'il a besogné à necter l'église et d'esteindre les chandelles, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clocher de plomb, 35 s, en chandelles, 10 d. En charbon pour les verriers, d'idées. À Houdin de Jouy, charpentier, pour 7 jours et demi qu'il a besogné en la hure du petit moineau du clocher de plomb et à le déferrer et asteur de l'autre hure en laquelle il estoit ferré et pendu, 31 s 3 d. À François Audry, huchier, pour 7 jours et demi qu'il a aidé à faire ce que dit est, par jour 3 s 4 d. Astérisque 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 en la semaine de la Tiphaine commençant le 3e janvier. À Jean Perrier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré espanneau de la verrière de Saint-Lubin qui est près du clocher de plomb, pour jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec Ludic Perrier, par jour 4 s à Houdin de Jouy, charpentier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à échever de ferrer et mettre en saure le petit moineau et hisser lui asseoir en ses poêliers, pour chacun jour 4 s 2 d. À François Audry, charpentier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec Ludic de Jouy pour faire ce que dit est, pour jour 3 s 4 d audit Houdin de Jahani, pour la façon de la roue du dit petit moineau, pour laquelle on lui a baillé bois, 45 s à Marin Belioste, pour 2 échelles pour Philippe au Mauvoisin pour descendre en la fosse du contrepoids du grand horloge, tant pour bois comme pour peine et façon, disait à Richard de la Saussaye, huchier, pour avoir fait la moitié de la trappe du cilire de l'hostel des enfants d'Aulbe et un châssis de bois pour mettre au-devant d'une grande verrière qui est en l'hostel Philippot de l'horloge, 15 s pour la sonnerie de Marie, le jour de la Tiphaine, 6 s, pour les orgues, 6 s 8 d,
pour la sonnerie de Bourdeaux et de Chartin, 10 S, pour Elomme le tour et la perche, 22 D. Le mercredi 8e de janvier, fut fait et célébré l'obsèque ou anniversaire de feu Monsieur le Duc de Guyenne, dont Dieu est l'âme, durant lequel furent sonnées les cloches de Gabriel et de Marie, pour 18 hommes qui les sonnèrent, à chacun 15 D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. À Philippe au Mauvoisin, Fèvre, pour 4 verges de fer mises en la roue du petit moineau dont ci-dessus est faite mention, pesant 5 livres, et pour 4 viroles pesant 6 livres, chacune livre 15 D. À Géant Douge, pour 5 jours qu'il a besogné à destindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 D. Pour 5 charretées de bois achetées pour fondre les chandelles et cire du trait de Noël, 44 S à Estienne Aveline, pour un jour qu'il a besogné pour aider à tourner les roses pour mettre et asseoir le petit moineau en ses poiliers et descendre du vieil bois de dessus l'église pour ardoir à la fonte, 2 S un D astérisque 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 en la semaine d'après la Tiphaine commençant le 22e janvier. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné espanneau de la Verrière qui est joignant de celle de Saint-Lubin dont ci-dessus est faite mention, pour jour 4 S à Jequette le Bastonnier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné avec le dit Perrier, pour jour 4 S à Géant Douge, pour 6 jours qu'il a besogné à destindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 D. À Laurence le peintre, pour 4 escussons aux armes de feu Monsieur de Guyenne mis en queue en 4 cierges le jour que fut fait l'obsèque de feu M. de Guyenne, 5 S au Varlet de André Béliard-Masson, pour un jour et demi qu'il a ouvré à faire des trous en pierre pour asseoir les barreaux de fer de la verrière Saint-Lubin, lesquels sous loi Testracy en bois, pour jour 4 S 9 D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. À Géant Motet, pour 6 jours qu'il a besogné à la fonte de la cire, pour jour 3 S 4 D. À Colin Fremin, pour 6 jours qu'il a besogné avec le Dic Motet, par jour 2 S 6 D. À Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a besogné avec les dessus 10, par jour 2 S 6 D. À Géant le Dolphin, pour 6 jours qu'il a besogné avec les dessus nommés, par jour 2 S 6 D. Le lundi 13e janvier, pour la dispense des dessus nommés qui ont testé à la fonte, en chair, 2 S 6 D, en sel pour toute la semaine, 20 D, en pain pour toute la semaine, 6 S 8 D, mardi, char et poreau, 3 S, mercredi, char et pitance, 2 S 1 D, jeudi, char tant pour le dîner comme pour le soupe, 4 S 2 D, vendredi, pour pitance, 3 S 4 D, samedi, pour semblable cause, 2 S 5 D, pour 30 poses de 20 prince en l'hostel de Simon de Lonespine, chacun pose 6 D. À Pasquier-Sins, Cordier, pour une corde de chanvre mise pour sonner le petit moineau du clochier de plomb, laquelle corde poise 20 livres, chacune livre 12 D. À Richard de la Saussoie, Huchier pour avoir mis un carreau en la porte qui est près de la boucherie, et avoir rechevillé icelle en plusieurs lieux, pour bois, peine et façon, 5 S en charbon pour les verriers, 18 D astérisque 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 en la semaine Saint-Vincent commençant le 19e de janvier. À Géant Perrier, Verrier, pour 3 jours qu'il a besogné espanneau de la verrière Olté qui est joignant de celle de Saint-Lubin, pour jour 4 S à Jequette le Bastonnier,
pour 3 jours qu'il a besogné avec le Dic Perrier, pour jour 4 SAG en douge, pour 4 jours qu'il a besogné à d'estindre les chandelles et nectaire l'église, pour jour 20 D. AG en motet, pour 3 jours qu'il a besogné à échever de recuire la cire de la fonte, pour jour 3 S 4 D. AG en le dolphin, Estienne Aveline et Colin Fremin, pour 3 jours que chacun d'eux a besogné avec le dit motet à faire ce que dit est, pour chacun par jour 2 S 6 D. Mardi, pour la dispense des dessus nommés, pour char, 2 S 6 D, jeudi, pour char tant pour le disner comme pour le soupe, 4 S 4 D, vendredi, pour pitance, 3 S, en pain pour toute la semaine, 3 S, pour 12 poses de vin pour la semaine, chacun pose 6 D. Pour la dispense du clerc de l'œuvre, pour avoir resté adreux devers les receveurs et prévôts du dit lieu pour requérir et demander le paiement et à reiches de 6 livres de rente dans chacun aen à l'œuvre d'Issel l'église sur la prévosté de l'addictée ville, et pour le louage et dispense de son cheval, 22 S 6 D. Pour 2 aquets de bois pour servir à la fonte de la cire, 2 S 6 D. En charbon pour les verriers, 15 D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. À Jean Perrier, verrier, a été donné pour cette fois seulement à cause de certains services par lui feuilles à l'œuvre de la dicte église, 100 S à Houdin de Jouy, charpentier, pour un carreau ou planche de noyer de 10 pieds de long pour faire les roses pour la cloche de Marie, 6 S 3 D astérisque 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 en la semaine d'après la Saint-Vincent commençant le 26e de janvier. À Jean Perrier, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné à asseoir les panneaux de la verrière Saint-Lubin et à descendre et rasseoir les barreaux de fer de la grande verrière de Saint-Laurence qui est joignant de l'addictée verrière de Saint-Lubin, pour chacun jour 4 S à Jequette le bastonnier, verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dit Perrier, pour jour 4 S au Varlet de André Béliard, maçon, pour 10 journées qu'il a besogné à faire les trous et rasseoir les barreaux des dictes de verrières. De Saint-Lubin, laisse quelques sous-lois testracis en bois et pour le présent ont testé assis en pierre, par jour 4 S 9 D. Âgé en douge, pour 5 jours qu'il a besogné tant à nectaire l'église comme à d'estindre les chandelles, par jour 20 D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. En charbon pour les verriers, 15 D. À Loïse Fortacu, tonnelier, pour avoir relié les cuviers, j'allais 10 ogettes pour la fonte, tant pour osier comme pour peine, 7 S, 6 D. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour avoir rallongé les barreaux de fer des verrières de Saint-Lubin et de Saint-Laurence qui sont près du clochier de plomb, laisse qu'elles ont été assis en pierre qui sous loi testracis en bois, et est-ce qu'elles barreaux, tant traversant comme es mantens, 42 bouts, et en chacun des 10 bouts, l'un portant l'autre, a mis de son fer 2 livres, qui sont 84 livres de fer, chacune livre 15 D. Audite Philippot, pour avoir rechargé la teste du battant du petit moineau du clochier de pion, et avoir repercé toute la ferrure d'Isselui, lequel a été déferré et mis en une ure nouvelle, 25 S à lui, pour 2 crampons de fer mis en la porte nuef près la boucherie, pesant 3 livres, la livre 15 D. À lui, pour 2 clés, l'une pour Louise ou Guichet qui est près de l'hostel de Monsieur Mallet et l'autre pour le coffre qui est en l'hostel de la loge près du Comtoué, 2 S 6 D. À lui, pour avoir renoué et ressoudé le battant de Marie, lequel est rompu,
40 est-ce pour avoir recollé et rapparellié l'estet ou fourreau du baston que porte M le chantre, 2 s 11 d astérisque 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 en la semaine de la purification Notre-Dame commençant le 2e de février. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné est panneau des Hautesses Verrières de Saint-Lubin et Saint-Laurence, pour jour 4 s à Jequette le Bastonnier, Verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dit Perrier, pour jour 4 s à Géant Douge, S Veilleur, pour 6 jours qu'il a besogné à Desteindre les Chandelles et Nectaire l'Église, pour jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, d'idée. À Perrin-Itier, Orfèvre, pour avoir rebruni la coquille d'argent de l'église, et y celle avoir ressoudé en plusieurs lieux, où il a mis 2 gros de son argent ou environ, 6 s, 8 d. À 6 ou 8 compagnons qui ont aidé à porter de l'hostel d'ardoisé, monté ou clochier de pierre la hure de Marie, à Hulk donné pour le vin, 2 s 1 d. Pour la sonnerie de Gabriel, fecté la vigie et le jour de la purification, 8 s 6 d, pour les orgues, 6 s 8 d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Charlin, 10 s, pour Elema le tour et la perche, 22 d. Au Maréglier l'aise, pour avoir allumé la perche toute cette année, 5 s lendemain de l'addictée fest, fut dicte et célébré la messe fondée par Monsieur le comte de Vendosme, durant laquelle fut sonnée la dicte cloche de Gabriel, pour la dicte sonnerie, 6 s 4 d, pour les orgues, 3 s 4 d, à Lucas Leby, pour avoir joué des orgues à la dicte messe, 2 s 6 d, pour porter les 3 croix et 2 textes à la procession fectée par avant la dicte messe, 2 s 1 d. En charbon pour les verriers, 18 d. Pour les gants des jurés pour la dicte feste de la purification, 5 s à Géant le fort, chasublier, pour avoir couvert le baudrier pour porter la grande croix de l'église, et avoir fait et couvert 2 petits oreillers, 5 s astérisque 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 en la semaine d'après la purification Notre-Dame commençant le 9e février. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré s panneau de la Haulte Verrière de Saint-Laurence près du clochier de plomb, pour jour 4 s à Jacquel le Bastonnier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné en la dicte besogne avec le dic Perrier, pour jour 4 s à Géant le Rot, Plomier, pour 6 jours qu'il a besogné à jecter du plomb en table, pour jour 5 s à Géant Motet, pour 5 jours qu'il a besogné avec le dic Plomier, pour jour 3 s 4 d. À Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a besogné avec les 10 Leroux et Motet, pour jour 3 s 4 d. À Géant Douge, pour 6 jours qu'il a besogné tant à nectaire l'église comme à desteindre les chandelles, pour jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. Pour une charretée de bois achetée pour les plombiers, 5 s en vin quand même les maestres marchands à Philippot de faire la ferrure de Marie, 20 d. Pour un carteron de fil blanc acheté par Jean Lefort, chasublier, tant pour appareiller les tentes et tapis de l'église comme pour doubler un tapis pour mettre au presse-couère de l'église, 2 s 8 d hobby. À Pasquier Saint, Cordier, pour 2 cordes de chanvre avec 2 cordons pour sonner la cloche de Marie, pesant 29 livres et demi, chacune livre 12 d. Au Varlet André Béliard, pour 4 jours qu'il a besogné à faire les trous en pierre de taille et asseoir certains corbeaux de fer soutenant une aumoire fectesse à l'entour de la tourelle de chapitre, pour jour 3 s 9 d.
à Géant-le-Fort, chasublier, pour 5 jours qu'il a besogné à doubler un tapis pour le prescouer, chacun jour 3 s 4 d. À un compagnon qui a besogné avec le dic chasublier par 3 jours, pour jour 2 s 6 d astérisque 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 en la semaine de la feste de la chaire Saint-Pierre commençant le 16e de février. À Géant-le-Rot, plombier, pour 5 jours qu'il a ouvré à couvrir et revestir de plomb le beffroi du petit clocher de plomb, pour jour 5 s à Géant Motet, pour 5 jours qu'il a ouvré à faire ce que dit est avec le dit Leroux, pour jour 3 s 4 d. À Estienne-Aveline, pour 5 jours qu'il a besogné avec les dessus 10, pour jour 3 s 4 d. À Géant Perrier, Verrier, pour 5 jours qu'il a besogné à faire les verrières de 2 châssis qui sont ordonnées estre mi-s fenestre de la tourelle de chapitre, pour jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 5 jours qu'il a ouvré avec le dic verrier et espanneau de la verrière Saint-Vincent, par jour 4 s à Géant Douge, pour 5 jours qu'il a besogné à nectaire l'église, d'esteindre les chandelles et à nectaire et vuideur des terres de la tourelle de chapitre, pour jour 20 d. À Yvonne et Pépine, pour 2 jours qu'il a ouvré à aidier à vuideur les terres de la dicte tourelle, pour jour 2 s 1 d. À un autre compagnon, lequel besogna avec le dic Yvonne pour faire ce que dit et 2 s 1 d. Pour 12 sacs de charbon, lesquels sont estés mis en la dicte tourelle, dessous le plancher ou fondicelle, le sac 6 d. Pour une jalette d'huile achetée pour ardoires lampe de Monsieur de Bourgogne et de la Trimouille, et pour le mesurage, 11 s 10 d. En vin bio en l'hostel de la loge, au compte, 12 d. Pour 18 sextiers de sablon acheté pour le môle des plombiers pour jeter le plomb en table, le sextier 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clocher de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. Après ce que la cloche de Marie fut sonnée et essayée en la hurée rose nouvellement fectesse, fut donné pour le vin au varlet de Houdin et autres qui sonnèrent, 5 s à Houdin de Jouy, charpentier, pour avoir fait la hure de Marie et Isel avoir tourné, et aussi avoir fait 2 roses pour sonner la dictée cloche, 15 francs. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour avoir refait les forceurs, viroles, estriers et crampons de la dicte cloche, rongnier les escarresses et fait de nouvelles toutes les verges de fer qui tiennent à la hure et aux roses et aussi la fausse bélière de la dicte cloche, avec 2 grosses platanes ou semelles de fer qui sont dedans et au bout des 3 viroles et joignant des poiliers d'icelle cloche, 16 francs. À Massé-Basile, charpentier, pour avoir fait une certaine zomoire alentour de la tourelle de chapitre, et Issel avoir roussé tout alentour du holt d'Issel au moire jusqu'au bas de l'addictée tourelle, et l'avoir enfoncé toute par en bas, pour laquelle enfonçure on lui a livré bois et les courbes pour les dictes au moire seulement, et aussi pour avoir fait un contoué en l'addictée tourelle garni de 2 formes et 2 scabelles, pour bois, peine et façon, 18 francs. À la Cornue, pour avoir fait 8 surplis pour les enfants d'Aulbe, 25 s à Géant le Bailli, pour 6 coulames ou pièces de mérien mises dessous l'enfonçure de la dictée tourelle, 10 s astérisque 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 en la semaine Saint-Mathias commençant le 23e février. À Géant Perrier, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré s verrière des châssis qui seront mis et assis s 2 fenestres de la tourelle de chapitre, et s panneau de la haultée verrière de Saint-Vincent qui est près du clocher de plomb, pour jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 4 jours et demi qu'il besogné s panneau de la dicte verrière de Saint-Vincent,
pour jour 4 s à Oudin de Jouy, charpentier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à refaire et rasseoir le plancher des cloches de Marie et de Gabriel et les degrés par où l'on y monte, pour jour 4 s 2 d. À Jehan Goubeau, charpentier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à faire ce que dit est avec le dictoudin, par jour 3 s 4 d. À Jehan Leroux, plombier, pour 3 jours et demi qu'il a ouvré à revestir et couvrir de plomb le beffroi du petit clochier de plomb, pour jour 5 s à Estienne Aveline, pour 4 jours qu'il a besogné avec le dict Leroux, pour jour 3 s 4 d. À Jehan Mottet, pour 3 jours qu'il a ouvré avec les dessus nommés, pour jour 3 s 4 d. À Jehan Douge, esveilleur, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à necter l'église et à desteindre les chandelles, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. À deux compagnons qui aidèrent au plombier à monter le plomb au clochier, 2 s 1 d. À Petit Guillot, cloutier, pour 2 milliers de clous à plomb, le millier 9 s à lui, pour 2 sens de clous cornus pour le planchier de l'enfonçure de la tourelle de chapitre, 6 s à Massé-Basile, charpentier, pour un coffre mis en chapitre et une grande scabelle ou forme à doucier effectée pour soir les notaires en chapitre, 40 s à lui, pour 4 fenêtres fectes pour les châssis de la tourelle de chapitre, 15 s astérisque 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 en la semaine décembre commençant le 1er de mars. À Jehan Perrier, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné espanneau de la verrière de Saint-Vincent et à asseoir les verrières des fenêtres de la tourelle de chapitre, par jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré en l'addicté besogne avec le dic Perrier, par jour 4 s à Jehan Leroux, plombier, pour 6 jours qu'il a ouvré à faire les gargoules du petit clochier de plomb, par jour 5 s à Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dit Leroux, par jour 3 s 4 d. À Jehan Mottet, pour 2 jours qu'il a ouvré avec les 10 plombiers, par jour 3 s. 4 d. À Oudin de Jouy, charpentier, pour 6 jours qu'il a besogné tant à faire une clouaison en l'hostel d'ardoise en la chambre en laquelle demeure Jehan Douge comme à déferrer et referrer deux des cloches du petit clochier de plomb, par jour 4 s 2 d. À Georges Guyard, charpentier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dic de Jouy à faire ce que dit est, par jour 3 s 4 d. À Jehan Goubeau, charpentier, pour 6 jours qu'il a ouvré à faire ce que dit est avec les 10 charpentiers, par jour 3 s 4 d. À Jehan Douge, pour 5 jours et demi qu'il a ouvré tant à necter l'église comme à desteindre les chandelles, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. Le jour de Quaresme prenant, en pain et vin de pensée pour les ouvriers de l'œuvre, ainsi qu'il est accoustumé faire chacun à haine en l'hostel de la loge, 2 s 10 d, en figue, 2 s à Jehan de Voir, marchand de Voir, demeurant en la ville Dieu de Fueil, duquel a été acheté XXI poids de voir temblant comme de couleur, avalué et prisier chacun poids de voir de couleur pour 2 de voir blanc, et contient la somme 12 poids, la somme 4 livres. Pour 15 livres de fil d'archal pour faire les treillis de fil d'archal des fenêtres de la tourelle de chapitre, chacune livre 3 s 4 d. Pour un cent de jetoué pour la chambre des comptes, 5 s pour 2 douzaines de cinctures pour l'église, 10 s à Jehan Vidi, pour avoir acheté et apporté de Paris les 10 archales, cinctures et jetoué,
2SID. Pour une charretée de bois pour les plommiers et verriers, 10S en charbon pour les 10 pommiers et verriers, 3S. 4D astérisque 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 en la semaine de Invocavi commençant le 8e de mars. À Géant Perrier, Verrier, pour 5 jours qu'il a besogné espanneau de la verrière de Saint-Vincent, pour jour 4S à Jequette le bastonnier, Verrier, pour 5 jours qu'il a ouvré avec le dit Perrier, par jour 4S à Géant le Rau, pour 5 jours qu'il a ouvré à faire les gargoules du petit clochier de plomb, pour jour 5S à Estienne Aveline, pour 5 jours qu'il a besogné avec le dit le Rau, pour jour 3S 4D. À Géant Motet, pour 3 jours qu'il a besogné tant à descendre la tuile d'un appentis ou galerie estant près de la tourelle de chapitre comme à besogneur avec les 10 plombiers, par jour 3S 4D. À Géant Douge, pour 5 jours qu'il a besogné à necter l'église et à desteindre les chandelles, par jour 20D. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35S, en chandelle, 10D. En charbon pour les plombiers et verriers, 3S pour une lampe, pour le lampier de Monsieur de la Trimoyeux, 5D. À Géant de la Lacraye, Motet et autres serviteurs de l'église, pour avoir tendu et couvert le crucifix, le lutrin et les voiles de l'église, 5S en corde menu pour faire ce que dit est, dit D. À Houdin de Jouy, pour 5 jours qu'il a ouvré à faire les hurles du petit clochier de plomb, pour chacun jour 4S 2D. À Géant Goubeau, charpentier, pour 5 jours qu'il a ouvré avec le dit Coudin, par jour 3S 4D. À Georges Guyard, pour 5 jours qu'il a ouvré avec les 10 charpentiers, par jour 3S 4D. À François Audry, pour 5 jours qu'il a besogné à faire des roses de bois pour sonner et tirer les 10 petites cloches, par jour 3S 4D. À lui pour 2 jours qu'il besogna la semaine passée à faire ce que dit est, 6S 8D. À deux compagnons qui saillèrent des coulams pour la clouaison fectée en l'hostel d'Ardoise, en la chambre où demeure Douge, 3S 4D. À Guillaume Bernard, pour 2 jours qu'il a besogné à faire étorcher de terre la dictée clouaison, pour jour 2S 1D. À Guillemin, pour 2 jours qu'il a besogné avec le dicte Guillaume, pour jour 2S 1D. À deux compagnons qui ont aidé à descendre la tuile de l'appentise ou galerie qui estoie près de la tourelle de chapitre et à abattre le dit appentis, pour chacun 2S 1D. À Marin Piedfranc, pour à Tumberolk de terre douce emploi et en la clouaison dont ci-dessus effectait mention, 5S en cormios et 20 en l'hostel de la loge dimanche jour des Brandons, donné aux ouvriers et serviteurs de l'église, ainsi qu'il est accoustumé chacun à N, 5S à Henri, varlet de André Béliard, maçon, pour 5 jours qu'il a besogné à faire des trous en pierre de taille pour asseoir les treillis de fer S fenestre de la tourelle de chapitre, pour jour 3S 9D. À la Cornue, pour avoir fait une aulbe et 3 amiques pour le chapelain de la première messe, 5S à Philippot Mauvoisin, Fèvre, pour 2 treillis de fer mis et assis S deux fenestres de la tourelle de chapitre, pesant 133 livres et demi de fer, chacune livre 15 des astérisque 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 en la semaine de reministre commençant le 15e de mars. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné à asseoir la verrière de Saint-Vincent et à besogneur espanneau d'Issel, par jour 4S à Jequette le bastonnier, Verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dic Perrier,
par jour 4 S pour 3 minots de piastre mi et emploi et pour asseoir les barreaux de l'addicté verrière de Saint-Vincent, 7 S 6 D. À Jehan Leroux, plombier, pour 6 jours qu'il a ouvré à faire et asseoir les gargoules du petit clochier de plomb, pour jour 5 S à Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a ouvré avec Ludic Leroux, par jour 3 S 4 D. À Jehan Mottet, pour 6 jours qu'il a ouvré avec les dessus 10, par jour 3 S 4 D. À Houdin de Jouy, charpentier, pour 6 jours qu'il a besogné à déferrer et referrer et faire les hurles des cloches du petit clochier de plomb, pour jour 4 S 2 D. À Georges Guyard, pour 6 jours qu'il a ouvré avec Ludic Coudin, pour jour 3 S 4 D. À Jehan Goubeau, charpentier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec les dessus 10, pour jour 3 S 4 D. À Guillaume Dufour, pour un jour et demi qu'il a besogné à faire les roses des dictes petites cloches, 5 S à Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 S, en chandelle, 10 D. En charbon pour les plombiers et verriers et pour recuire le fil d'archat des treillis des fenêtres de la tourelle de chapitre, 5 S à Jehan Douge, pour 6 jours qu'il a besogné à nectaire l'église et d'esteindre les chandelles, par jour 20 D. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour 2 estriers et plusieurs viroles et S pour la cloche de laquelle l'on sonne la messe Notre-Dame, pesant ensemble 8 livres, chacune livre 2 S à lui, pour 2 escarres et plusieurs viroles pour la cloche de chapitre, pesant ensemble 7 livres, chacune livre 2 S à lui, pour la ferrure de 2 châssis de la tourelle de chapitre, c'est à savoir 4 pommelles à bande et 4 pièces à talons tenant S gond, 2 verrous et 4 battants à main mi S guichets ou fenestres et 8 verges de fer pour les verrières des dictes fenestres, pour tout ce 40 S audite Philippot, pour la ferrure d'un dressoué estant en l'addictée tourelle de chapitre, c'est à savoir 2 couplets à double nœud et 1 serrure à bosse et à bande, 20 S à lui, pour 2 graines serrure de bois et 2 palastres de fer mis au premier 8 dicelles tourelle, 25 S à Pasquier Sins, cordier, pour 12 livres de suif balleux et méré pour les plombiers et verriers, chacune livre 20 D. À Clément Jeanlin, demourant à Senonches, pour 4 milliers de clous à plomb pour les plombiers, chacun 1 millier 5 S 10 D. À Henri, varlet de Andry Béliard, maçon, pour 2 jours qu'il a besogné à échever de faire les trous et asseoir les treillis de fer S fenestre de la tourelle de chapitre, par jour 3 S 9 D. Pour 9 mois pour faire les cercles des roses des petites cloches dont ci-dessus est faite mention, chacun mois 6 D. Pour 1 planche ou S de nouilles pour les dictes roses, 3 S 4 D astérisque 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 en la semaine de Oculi commençant le 22e de mars. À Jehan Perrier, verrier, pour 4 jours qu'il a besogné à échauffauder la verrière blanche de la chapelle au confesseur et à besogneur espano d'Isselle, pour jour 4 S à Jequette le bastonnier, verrier, pour 4 jours qu'il a besogné avec Ludic Perrier, par jour 4 S à Jehan Leroux, plombier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné tant à faire un gouttero de plomb pour jeter hors les os descendant de dessus la chapelle Saint-Pierre 27 comme a besogné S fueillage pour le petit clochier. De plomb, par jour 5 S note 27, la chapelle de Saint-Pierre, bâtie en hors-d'œuvre, derrière l'abside de la cathédrale, est une belle et solide construction du XIVe siècle. À Jehan Mottet, pour 4 jours qu'il a besogné avec le dict Leroux, pour jour 3 S 4 D. À Estienne Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec les dessus 10, pour jour 3 S 4 D.
à Lorrain chanoine, plombier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec les 10 plombiers s fuaillage du dic petit clochier, pour jour 3 s 4 d. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours qu'il a ouvré à découvrir et couvrir d'ardoise sur la chapelle de Saint-Pierre, là où a été mis et assis le gouttereau de plomb dont ci-dessus effectait mention, pour jour 5 s à Oudin de Jouy, pour 3 jours qu'il a besogné pour riffeur et faire les roses pour les cloches du petit clochier de plomb, pour jour 4 s 2 d. À Gilet du Four, pour 3 jours qu'il a besogné avec le dictoudin, pour jour 3 s 4 d. À Géant Douge, s-veilleur, pour 4 jours et demi qu'il a besogné tant à nectaire l'église comme à desteindre les chandelles, pour jour 20 d. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 d. En charbon pour les plombiers et verriers, 2 s 6d. Pour la sonnerie de Gabriel Fecté le jour de l'Annonciation, 12 s 6d, pour la sonnerie de Marie et pour les soufflets des orgues, 6 s 8d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10 s, pour Elome le tour et la perche, 22 d. Lendemain de la dicte feste, fut dicte et célébrée la messe fondée par Monsieur le comte de Vendosme, pour la sonnerie de Marie Fectet durant la procession et la messe jusqu'à l'Évangile, 3 s 4 d, pour les soufflets des orgues, 3 s 4 d, à Lucas Leby, organiseur. Pour avoir joué des orgues dicte jour, 2 s 6 d, pour porter les trois croix et deux textes, 2 s 1 d. Le lundi 16e de mars, fut dicte et célébrée la messe de Notre-Dame en la nef de l'église, durant laquelle et la procession fectée par avant y celle messe fut sonnée la cloche de Marie, pour seul qui la sonnèrent, 3 s 4 d. Encore de menu pour les plombiers, 5 d astérisque 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 en la semaine de l'étard commençant le 29e de mars. À Géant Leroux, plombier, pour 6 jours qu'il a besogné tant à faire et asseoir une gouttière de plomb sur la chapelle Saint-Pierre comme à souder sur la terrasse du petit clochier de plomb et à faire étaler des fueilles pour le petit clochier, pour jour 5 s à Géant Motet, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dict Leroux à faire ce que dit est, pour jour 3 s 4 d. À Lorrain Chanoine, plombier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec les dessus 10, pour jour 3 s 4 d. À Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a besogné à aider à faire ce que dit est, pour jour 3 s 4 d. À Géant Perrier, verrier, pour 6 jours qu'il a ouvré tant espanneau de la verrière blanche de la chapelle au confesseur comme à pourtraire une image de Saint Nicolas pour mettre en la dicte verrière 28, pour jour 4 s note 28, la chapelle des confesseurs était située au rond-point de la cathédrale, près de la chapelle absidale, c'est aujourd'hui la chapelle du Sacré-Cœur. Une des fenêtres est garnie d'une grisaille de la fin du XIe siècle, avec une bordure aux armes de Castille. Au milieu de cette fenêtre est une figure de Saint Nicolas que l'on a toujours attribuée au XIe siècle, mais qui est incontestablement celle peinte par Jean Perrier. À Jacques le Bastonnier, verrier, pour 3 jours qu'il a ouvré espanneau de la dicte verrière, par jour 4 s à Colin Caillard, maçon, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à découvrir et recouvrir d'ardoise sur la chapelle de Saint-Pierre, là où a été mise et assise la gouttière de plomb, pour jour 5 s à Oudin de Jouy, charpentier, pour 6 jours qu'il a ouvré à faire 2 roses et ferrer et déferrer 2 des cloches du petit clochier de plomb, pour jour 4 s 2 d. À Gilet du Four, charpentier, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dicoudin, par jour 3 s 4 d.
à Jehan Goubeau, charpentier, pour demi-jour qu'il besongna à mettre une pièce de bois au rouage du grand horloge par l'ordonnance de Philippot Mauvoisin, 20 dé. À Jehan Douge, pour 6 jours qu'il a ouvré à Necter l'église comme à Destindre les chandelles, par jour 20 dé. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb, 35 s, en chandelle, 10 dé. Pour 12 livres de fil d'archal pour les fenêtres de la tourelle de chapitre, chacune livre 3 s 4 dé. Pour un dos de gros cuir vermeil pour faire fermouer à livre, 40 s à vidie, pour avoir apporté le fil d'archat et le dos de cuir vermeil, 2 s 6 dé. À Petit Guillot, cloutier, pour 7 sens de clous de 4 livres mi s rose de Marie, 4 s 8 dé. À lui, pour 2 sens de clous à bardeau baillier au verrier, 12 dé. À lui, pour 2 sens de clous rond de 6 livres, 2 s à lui, pour demi-millier de clous à l'aide de 6 livres pour la couverture de Saint-Piat et 3 sens de grands clous de 20 livres, 12 s 3 dé audite Petit Guillot, pour 2 sens de petits clous pour les roses des cloches du petit clochier de plomb, 12 dé. Pour un brayer pour une des cloches du petit clochier de plomb, 2 s 6 dé. En charbon pour les plomiers et verriers, 3 s. 4 d. À Michaud Vidi, pour avoir fait les treillis de fil d'archal des 2 fenêtres de la tourelle de chapitre, 45 s à Philippot Mauvoisin, Fèvre, pour 4 verges de fer mises en la roue de Marie, outre celle qu'il devoit bailler par le marchier à lui fait, pesant les 10 verges avec 3 gonds mis en un nuit en l'hostel ou demeure douche 16 livres, chacune livre 15 dé. À lui, pour 2 petites lasnières pour une des cloches du petit clochier, pesant 6 livres, 7 s 6 dé. À lui, pour avoir rallongé 2 barreaux de la verrière blanche de la chapelle au confesseur où il a mis de son fer 3 livres, la livre 15 dé. À lui, pour une loquetière à 2 loquets mise en l'hostel Douge, 6 s 8 dé. À Yvonnet Paris, pour avoir relié 4 livres de la librairie, c'est à savoir un petit volume signé A, le second nommé Sergium signé BB, le troisième Unum Librum Medicine Alexandri, signé CC, et le quatrième signé DD, pour tout, 30 s astérisque 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 en la semaine de Judica commençant le 5e d'avril. À Jehan Perrier, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné espano de la verrière blanche de la chapelle au confesseur, pour jour 4 s à Jacquet le bastonnier, verrier, pour 6 jours qu'il a besogné avec le dit Perrier à aidier à faire ce que dit est, par jour 4 s à Jehan Leroux, plomier, pour 6 jours qu'il a besogné à souder en la terrasse du petit clochier de plomb et en fueillage du dic clochier, et aussi es gouttero de plomb d'une chapelle près de la chapelle Saint-Piat, pour jour 5. Es à Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a ouvré avec le dic Leroux, pour jour 3 s 4 d. À Lorrain Chanoine, pour 4 jours qu'il a ouvré avec les dessus 10, pour jour 3 s 4 d. À Jehan Mottet, pour 6 jours qu'il a ouvré à Necter et pilier de l'église tant à l'entour et dedans le cue comme ou le train, par jour 3 s 4 d. À Guillaume Guibert, pour 6 jours qu'il a besongné avec le dict Mottet, pour jour 2 s 1 d. À Jehan Douge, pour 6 jours qu'il a besogné tant à Destindre les chandelles comme à Necter l'église avec les 10 motets et Guillaume, pour jour, 20 dé. En balai pour Necter, 10 dé, en plumeau, 12 dé. En charbon pour les plomiers et les verriers, 3 s 4 dé. À Guillaume Porcheret et son compagnon, pour avoir fait gai nuit et jour au clochier de plomb,
35 S, en chandelle, d'idée. À Oudin de Jouy, pour 6 jours qu'il a ouvré à achever de ferrer les cloches du petit clochier de plomb, pour jour 4 S 2 D. À François Audry, pour 4 jours qu'il a ouvré avec le dictoudin, par jour 3 S 4 D. À Colin Caillard, maçon, pour 6 jours qu'il a besogné à achever de couvrir d'ardoise en la chapelle Saint-Pierre et à découvrir en une autre chapelle de l'église près d'Issel, pour jour 5 S à Simon Pichon, pour 3 sextiers de chaux achetés pour faire la terrasse de la dicte chapelle de Saint-Pierre, chacun sextier 3 S 9 D. Pour un breyer pour une des cloches du petit clochier de plomb, 20 D. À Philippe au Mauvoisin, Fèvre, pour 2 paires de parouées pour les verriers, 10 S à lui, pour 2 escarres pour l'une des cloches du dict petit clochier, pesant 7 livres, chacune livre 15 D. Audit Philippot, pour 3 loquets du premier 8 par lequel l'on va en revestière, chacun loquet 20 D. À lui, pour une clé forée de lui par où l'on descendait sous les cloches du petit clocher, 2 S 11 D. À lui, pour 6 S et 6 viroles pour les dictes cloches, pesant 2 livres, 2 S 6 D. Audit Philippot, pour avoir refait 3 des bandes ou forces de la cloche dernière ferrée et avoir fait de nouvelles une petite bande pour la rodicelle, 5 D. À lui, pour 2 martholques pour les plombiers, 12 S 6 D. À Petit Guillot, cloutier, pour 1 millier de clous à ardoise pour couvrir tant sur la chapelle de Saint-Pierre comme en une autre chapelle estant près d'Issel, 6 S 8 D. À lui, pour 4 cents de clous de 20 livres emploi et S dictes chapelles, le 102 S 6 D. À Richard de la Saussaye, pour 1 marchepied de bois mis chair du cure de l'église et pour 1 couvercle glou mis fond estant en la chapelle Saint-Géan 29, 10 S note 29, l'hôtel de Saint-Jean-Baptiste n'existe plus aujourd'hui, il était situé entre les hôtels actuels de la Communion et du Sacré-Cœur de Marie. Les fonts baptismaux dont il est ici question ne sont-ils pas ceux qu'on voit encore dans la crypte de la cathédrale, où ils ont été transportés? Astérisque, 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 astérisque en la Semaine Sainte commençant le 12e d'avril. À Jehan Perrier, Verrier, pour 3 jours qu'il a ouvré espanneau de la verrière blanche de la chapelle aux confesseurs, par jour 4 S à Jacques le Bastonnier, Verrier, pour 3 jours qu'il a besogné avec le dict Perrier, pour jour 4 S à Jehan Leroux, plombier, pour 4 jours qu'il a besogné à souder en la terrasse du petit clochier de plomb et S Gouttero des chapelles qui sont près de la chapelle Saint-Pierre, par jour 5 S à Estienne Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec le dict. L'euro, par jour 3 S 4 D. À Lorrain Chanoine, pour 2 jours et demi qu'il a ouvré avec les dessus 10, par jour 3 S 4 D. À Jehan Mottet, pour 3 jours qu'il a ouvré avec les 10 plombiers, par jour 3 S 4 D. À Jehan Douge, pour 5 jours qu'il a ouvré à desteindre les chandelles et à nectaire l'église, par jour 20 D. Audit Douge et à un autre compagnon, pour avoir essuyé et nectéé les graines et petits chandeliers, 5 S à Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour au clochier de plomb, 17 S 6 D. Pour 4 mois et demi et emploi et à échever les roses des cloches du petit clochier de plomb, chacun mois e, 6 D. En charbon pour les plombiers, 15 D. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à couvrir d'ardoises chapelles de l'église qui sont près de Saint-Pierre, est-ce qu'elles ont testé feuilles Gouttero de plomb, comme ci-dessus est dit, pour jour 5 S à Petit Guillot, cloutier, pour 1 millier de clous à ardoises, 6 S 8 D.
pour porter à Saint-Jérôme les deux croix de l'Église le jour de Pâques fleurie, 15 d. Pour les gants donnés aux ouvriers de l'Église le 10 jours, 5 s pour avoir descendu et monté la chasse de Sainte-Thécle portée en l'addictée procession, 2 s 6 d. Au sous-que, pour la prince de 4 rats, 5 d. À Philippe au Mauvoisin, Fèvre, pour une serrure à bosse et deux anses de fer pour le couvercle des fonds de l'église et pour avoir rapparellié la verge des dix fonds, 7 s 6 d. À Jeannin Baudry, pour un jour et demi qu'il a ouvré en la huche du grand horloge, selon l'ordonnance de Philippot, pour asseoir les pièces par lui fectes et rapparellier les fenêtres de l'hostel du dit Philippot, 5 s astérisque 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 en la semaine de la résurrection Notre Seigneur commençant le 19e d'avril. À Jean Perrier, Verrier, pour un jour qu'il a besogné s panneau de la verrière blanche de la chapelle au confesseur, 4 s à Jean Motet, pour un jour qu'il a besogné s gouttero des chapelles d'Ampres Saint-Pia et au petit clochier de plomb, 3 s 4 d. À Estienne Aveline, pour un jour qu'il a besogné avec le dict Motet, 3 s 4 d. À Colin Caillard, pour un jour qu'il a ouvré à recouvrir d'ardoise s dict chapelle, 5 s à Jean Douge, pour un jour et demi qu'il a ouvré à desteindre les chandelles, ou à nectaire l'église, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour ou clochier de plomb, 17 s 6 d. Pour un brayer pour une des cloches du clochier de plomb, 1 s 6 d. Pour la sonnerie de Gabriel Fecté la vigie et le jour de Pâques, 12 s 6 d. Pour la sonnerie de Marie et pour les soufflets des orgues, 7 s 11 d. Pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10 s. Pour Elema le tour et la perche, 22 d astérisque 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 en la semaine de Quasimodo commençant le 26e d'avril. À Jean Leroux, plombier, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré tant s gouttero de plomb des chapelles qui sont près de la chapelle Saint-Pia comme au petit clochier de plomb, par jour 5 s à Estienne Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec le dict Leroux, pour jour, 3 s 4 d. À Jean Motet, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les dessus nommés, par jour 3 s 4 d. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à découvrir et couvrir d'ardoises s chapelles s qu'elles ont testé feuilles les 10 goutteros, par jour 5 s à Vincent Patoin, nepveu du dit Colin, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec le dit Caillard, par jour 3 s 9 d. À Henri, varlet de André Béliard, maçon, pour 2 jours et demi qu'il a besogné à refaire et enduire de ciment les joints de la terrasse et de l'une des tourelles de la chapelle Saint-Pia, pour jour 3 s 9 d. À Guillemin Guibert, pour 4 jours et demi qu'il a besogné tant à servir le dict Henri comme à nectaire et cure les joints dont ci-dessus effectait mention, par jour 2 s 1 d. À Jean Douge, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à nectaire l'église et à desteindre les chandelles, 7 s 6 d. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour ou clochier de plomb, 17 s 6 d. Pour une jalée d'huile pour les lampes de Monsieur de Bourgogne, 12 s 6 d. En charbon pour les plombiers, 20 d. En corde menue pour attacher le berceau auquel besognait le varlet de André Béliard, dont ci-dessus est parlé, 10 d. À Philippe au Mauvoisin, Fèvre, pour avoir fait de nouvelles lettres tôt, rousées naissent du grand horloge de l'église,
pour lever par dehors la huche du rouage, les contrepoids 10 à lui horloge et aussi plusieurs graines barreaux de fer pour tenir ferme la dictée huche, esquelque truteau, roux, naissent les barreaux à 24 pièces, pesant ensemble avec le clou, S et virole nécessaire pour fermer les dictes pièces, 267 livres de fer, chacune livre 15 d'audit Philippot, pour une sous-pente d'un tuyau. De l'égout de Saint-Pia et une curette pour cure et nectaire les joints du dict Saint-Pia, pesant 5 livres et demi, chacune livre 15 d'audit Philippot, pour deux clés des deux huiles de l'addictée chapelle, 2S11D. À lui, pour avoir assis une serrure à lui bailler et fait une bande pour lui du cimetière, 20D. Pour avoir porté à Saint-Pierre en vallée, à la procession de Saint-Marc, les deux croix, 15D. À Yvonne et Paris, pour avoir relié et couvert quatre des livres de la librairie, l'un Palladium de Agricultura, le deuxième B de Super Epistola Canonica, le troisième Exposition Librorum Genesis, Exodi, Leviticii, Numerorum, Rosué, Judicum et Rut, pour tous, 30 S à lui, pour 34 fermoués à Platène avec les bourdons, chacun fermoué 5 D. À Petit Guillot, pour un millier de clous à ardoise pour les chapelles d'Empress Saint-Pia, 6S8D. À lui, pour 5 sens de clous de 10 livres pour les dictes chapelles et 2 sens et demi de clous de 20 livres, 12S6D astérisque 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 en la semaine de Misericordia Domini commençant le 3e de mai. À Jean Perrier, Verrier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné Espano de la Verrière Blanche de la Chapelle au Confesseur, par jour 4S à Jequette le Bastonnier, Verrier, pour 3 jours qu'il a ouvré en la dicte besogné avec le Dic Perrier, par jour 4S à Jean Leroux, Plomier, pour 4 jours qu'il a ouvré tant à revestir le beffroi du petit clochier comme escoutero des chapelles d'Empress Saint-Pia, pour jour 5S à Jean Motet, pour 4 jours qu'il a ouvré avec le dict Leroux, pour jour 3S4D. À Estienne Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a besogné avec les 10 plomiers, pour jour 3S4D. À Colin Caillard, maçon, pour 4 jours qu'il a ouvré à couvrir d'ardoise sur les chapelles d'Empress Saint-Pia, est-ce qu'elle l'en fait les gouttéros de plomb, pour jour 5S à Vincent Patouin, couvreur, pour 4 jours qu'il a ouvré avec le dict Colin, par jour 3S9D. À Henri, Varlet de Andry Béliard, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré à cure et renduire les joints de l'allée de Saint-Pia du costé de vers l'hostel de Monsieur le Sous-Doigt et aussi en la verrière blanche de la chapelle au confesseur, pour jour 4S9D. À Guillemin Guibert, pour 4 jours et demi qu'il a servi le dit Henri, pour jour 2S1D. À Jean Douge, pour 3 jours et demi qu'il a besogné à nectaire l'église et à desteindre les chandelles, par jour 20D. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour au clochier de plomb, 17S6D. À Perrin Babert, pour 3 quarterons de laite de 4 pieds et demi de long mise et emploi et S. Chapelles d'Empress Saint-Pia, 7S6D. À Philippot Mauvoisin, pour une clé pour le chapelain de la Sainte Chasse de la Chambre aux Maréglises et un loquet de lui des orgues bailliers à celui qui doit prendre des coulons en l'église, 2S6D. À Petit Guillot, pour un millier de clous à ardoise, 6S8D. Pour deux poulies pour les moufles qui ont servi pour le berceau mis pour faire les joints de Saint-Pia, 20D. En charbon pour les plomiers et verriers, 2S1D. À Perrin-Itier, orfèvre, pour avoir bruni les 5 plaisses d'argent du chandelier qui est en cure devant le maître-autel, 10S à lui,
pour avoir bruni deux des encensiers de l'église, 7 SID. À Yvonne et Paris, pour avoir lié et couvert de nuef un livre de la libraire contenant les chroniques de France, 7 SID audit Yvonnet, pour 2 cuirs de truie pour couvrir des grands livres de l'église, 10 **** en la semaine de Jubilati commençant le 10e de mai. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné espano de la verrière blanche de la chapelle au confesseur, par jour 4 $ à Géant Leroux, plombier, pour 6 jours qu'il a besogné esgoutero des chapelles de l'église qui sont près de Saint-Pierre et en la roue et couverture de l'église joignant de l'horloge du côté du clocher de pierre, pour jour 5 $ à Géant Motet, pour 6 jours qu'il a ouvré à aidier à faire ce que dit est, par jour 3 SID. À Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a ouvré avec les dessus nommés, par jour 3 SID. À Colin Caillard, couvreur, pour 6 jours qu'il a besogné à couvrir d'ardoises sur les chapelles est-ce qu'elles ont testé feuilles les gouttéraux de plomb, pour jour 5 $ à Vincent Patouin, pour 3 jours et demi qu'il a besogné avec le dict Colin à couvrir est dictes chapelles, par jour 3 SID. À Guillemin Guibert, pour 3 jours et demi qu'il a servi les 10 couvreurs, pour jour 2 SID. À Géant Douge, pour 6 jours qu'il a besogné à desteindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 SID. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour au clocher de plomb, 17 SID. En charbon par les plombiers et verriers, 20 SID. À Philippe Mauvoisin, Fèvre, pour avoir fait tout de nuef le battant de la cloche de Marie, 20 livres. À Géant le Bailli, voiturier, pour avoir vidié et hosté les terres du cimetière qui est près de Chapitre et Isselle avoir abaissé plus bas que les galeries du dit cimetière afin que les os descendent dans la fosse estant en Isselle lui, et aussi avoir hosté et mené les terres qui ont été hostées de la fosse en laquelle a été effectée et fondu la cloche nommée Gabriel, 13 litres, 10 SID audit Géant le Bailli, pour avoir hosté et vidié les terres et ordures qui estoient contre l'église de Saint-Nicolas. 67 SID. À Petit Guillot, pour 2 800 et demi de clous à ardoise, chacun 1 600 8 SID. À lui, pour 500 de clous de 10 livres, 6 SID 3 SID. À lui pour 200 et demi de clous de 20 livres, tout le dict clou pour S. Chapelles d'Emprès Saint-Pierre, 6 SID 3 SID. Pour le brayer du battant de Marie, 15 **** en la semaine de cantate commençant le 17e de mai. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besogné espano de la verrière blanche de la chapelle au confesseur, par jour 4 $ à Géant Leroux, plombier, pour 6 jours qu'il a besogné à couvrir de plomb ou cour qui est près et joignant de la noée de la croisée de l'église du côté du clocher de pierre et à jecter du plomb en table, par jour 5 $ à Géant Motet, pour 6 jours qu'il a besogné avec le dict Leroux, par jour 3 SID 4 SID. À Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a ouvré avec les 10 plombiers, par jour 3 SID 4 SID. À Thomasin Cavelier, varlet du dict Leroux, pour 6 jours qu'il a besogné avec son dit maître, par jour 2 SID 6 SID. À Colin d'Imeux, pour 3 jours et demi qu'il a ouvré à nectaire et porté dehors l'église de Saint-Nicolas les gravoises et autres ordures et immondices estant en Isselle, par chacun jour 2 SID 1 SID. À Guillaume Bellon, pour 2 jours et demi qu'il a besogné avec Ludic Colin, pour jour 2 SID 1 SID. À Jeannin Dubois, pour 2 jours et demi qu'il a besogné à charger les dessus 10, pour jour 20 SID 20 SID.
à Géandouge, pour 3 jours qu'il a besogné à d'estindre les chandelles et nectaire l'église, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour au clochier de plomb, 17 s 6 d. À Richard de la Saussaye, pour un cent de tringle de 6 pieds de long pour la couverture de plomb du cours auquel besognent les plombiers comme ci-dessus est déclaré, 45 s pour une charretée de bois pour les plombiers et verriers, 7 s 6 d astérisque 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 en la semaine de l'ascension commençant le 24e de mai. À Géant-le-Rau, plombier, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à couvrir de plomb au cours qui est près de la noée de la croisée de l'église du côté du clochier de pierre, par jour, 5 s à Estienne-Aveline, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec Ledic-le-Rau, par jour 3 s 4 d. À Thomasin-Cavelier, Varlet d'Udic-le-Rau, pour 4 jours et demi qu'il a ouvré avec son dictmestre, chacun jour 2 s 6 d. À Géant-Perrier, Verrier, pour 2 jours et demi qu'il a besogné Espano de la Verrière Blanche de la Chapelle au Confesseur, par jour 4 s à Jacquet le Bastonnier, Verrier, pour 1 jour et demi qu'il a besogné avec Ledit Perrier, par jour 4 s à Géant-Briquède, pour 2 jours qu'il a besogné à Édier de Échevée de Nectaire l'église de Saint-Nicolas, pour jour 2 s 1 d. À Géant-Pain-Blanc, pour 2 jours qu'il a ouvré à Nectaire en la dicte église, par jour 2 s 1 d. À Yvonnet-Pépine, pour semblable cause, pour 2 jours, 4 s 2 d. À Géant-Douge, pour 4 jours et demi qu'il a besogné à Nectaire l'église et à d'estindre les chandelles, par jour 20 d. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour au clochier de plomb, 17 s 6 d 16 de présente semaine ont été effectes les processions d'érogation par 4 jours et s lieu accoustumé, dont le dernier jour est le jour de l'ascension en l'église de Saint-Évien, pour porter les 2 croix s dictes 4 processions, 5 s le 10 jour de l'ascension pour porter les 2 textes et la croix de Guincestre 30 en la dite église de Saint-Évien, 20 d note 30, la croix de Winchester avait reçu ce nom. À cause de son donateur, Henri, évêque de Winchester, fils du comte Étienne Henri et frère du comte Thibaut IV, mort en août 1171, qu'il avait légué à la cathédrale. Pour la sonnerie de Marie, le 10 jour, et pour les orgues, 7 s 11 d, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartrain, 10 s, pour Elme le tour et la perche, 22 d. Pour le mouton de l'ascension donné aux jurés et ouvriers de l'église, ainsi qu'il est accoustumé être fait par chacun à N, 25 s pour les gandes d'Iaïs jurés à Hulk donné le 10 jour, 5 s à Petit Guillot, pour demi-millier de clous de 10 livres, 6 s 4 d. À Géant-le-Rau, pour 4 veilles pour percer les lits et tingles du cours où ils besognent, et pour un cordeau pour asseoir le plomb, 2 s 6 d. À Philippe au Mauvoisin, pour une serrure et une clé forée mise et assise en une des fenêtres de la tourelle de chapitre, 10 s à lui, pour avoir rongnié et mis à point les croisées de fer qui sont dessous les plaies d'argent estant au chandelier qui est en queue, 5 s audite Philippe au Mauvoisin, pour avoir fait un gros barreau de fer auquel a enclavé 4 pièces ou barreaux de fer et plusieurs s, clés et liens, toute la dictée ferrure pour soutenir la couverture du puits qui est devant l'hostel. De Monsieur le Prévôt de Mazanger, afin que la dictée couverture ne tourne dorénavant en tirant de l'EAE, ainsi que advisier et ordonné à ST par Oudin de Jouy, charpentier, et laquelle ferrure a été effectée selon le patron de Bois Baillier au dict Philippot par Isselui Oudin,
pesant icelle ferrure 180 livres de fer, chacune livre par marchier a lui fait par MM les masters de l'œuvre 2S sidé astérisque 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 en la semaine d'après l'ascension commençant le 31e de mai. À Géant Perrier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besongnes panneau de la verrière blanche de la chapelle au confesseur, par jour 4S à Jequette le bastonnier, Verrier, pour 6 jours qu'il a besongnier avec le Dic Perrier, par jour 4S à Géant le Rot, plomier, pour 6 jours qu'il a besongnier de plomb au cours qui est près de la Noé de la croisier de l'église du costé du clochier de pierre, par jour 5S à Géant Motet, pour 6 jours qu'il a besongnier avec le Dict le Rot, par jour 3S 4D. À Estienne Aveline, pour 6 jours qu'il a besongnier avec les dessus 10, par jour 3S 4D. À Thomasin Cavelier, pour 6 jours qu'il a besongnier avec les 10 plombiers, par jour 2S 6D. À Géant Douge, pour 6 jours qu'il a besongné à nectaire l'église et à desteindre les chandelles, par jour 20D. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour ou clochier de plomb, 17S 6D. Au chapelain de la Sainte Chasse, pour ruban blanc par lui acheté pour faire des signets pour le messel de l'église, 10D audite douge, pour un panier pour apporter et aster les ordures de l'église, 10D. En charbon pour les plombiers et verriers, 10D. À Philippot Mauvoisin, pour 2 clés de l'un des UIS du cure de l'église, 2S 6D. À Petit Guillot, pour 1 millier de clous de 10 livres, 12S 6D astérisque 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 en la semaine de Pentecôte commençant le 7e de juin. À Géant le Rot, plomier, pour 1 jour et demi qu'il a besongné à jecter du plomb en table, par jour 5S à Estienne Aveline, pour 1 jour et demi qu'il a ouvré avec le Dic le Rot, par jour 3S 4D. À Géant Motet, pour 1 jour et demi qu'il a ouvré avec les 10 le Rot et Estienne, par jour 3S 4D. À Géant Perrier, Verrier, pour 1 jour et demi qu'il a besongné Espano de la verrière blanche de la chapelle au confesseur, par jour 4S à Jequette le bastonnier, pour 1 jour et demi qu'il a besongné avec le dit Perrier, par jour 4S à Géant Douge, pour 2 jours qu'il a besongné à desteindre les chandelles et à nectaire l'église, par jour 20D. Pour 2 charretées de bois pour les plombiers et verriers, 15S au varlet de Philippot Mauvoisin, pour leur vin, 5S pour la sonnerie de Marie Fectet la vigie et le jour de Pentecôte et pour les soufflets des orgues, 7S 11D, pour la sonnerie de Gabriel, 12S 6D, pour la sonnerie de Bourdeau et de Chartin, 10S, pour Elema le tour et la perche, 22D. Le samedi 13e de juin, fut fectée procession parmi l'église et portée la sainte chasse, et après fut dicte et célébrée une messe du Saint-Esprit pour Monsieur de Berry, durant laquelle procession furent sonnées les cloches de Gabriel et de Marie, pour la dictée sonnerie, 10S en oint pour oindre les dictes cloches, 6D. En charbon pour les verriers, 10D. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour ou clochier de plomb, 17S 6D astérisque 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 en la semaine de la feste du Saint-Sacrement commençant le 14e de juin. À Géant le Rot, plomier, pour 3 jours et demi qu'il a besongné au cours de la haulte couverture de l'église près de la croisée qui est du costé du clochier de pierre, par jour 5S à Estienne Aveline, pour 3 jours et demi qu'il a ouvré avec le Dic le Rot, par jour 3S 4D. À Géant Motet, pour 3 jours et demi qu'il a ouvré avec le Dic le Rot, par jour 3S 4D. À Géant Perrier, Verrier,
pour 2 jours qu'il a besoin d'né espano de la chapelle au confesseur, par jour 4 s à Jequette le bastonnier, verrier, pour 3 jours qu'il a besoin d'né avec le dic Perrier, par jour 4 s à Géandouge, pour 3 jours et demi qu'il a ouvré à Nectaire l'église et d'esteindre les chandelles, par jour 20 d. En vin pour mes seigneurs les maesters, 20 d. En charbon pour les plombiers et verriers, 10 d. Pour 6 poses de vin envoyé à Houdin de Jouy, charpentier, mardi dernier passé jour de Cénopes, 5 s à Monsieur Maître Jacques Charpentier, pour 12 pains de chapitre semblablement envoyé au dit Coudin, chacun pain 7 d. Obi. À Simon Pichon, pour 2 sextiers de chaux pour faire du mortier pour enduire les degrés de l'église du côté de Saint-Nicolas, le sextier 5 s la vigie et le jour du Saint-Sacrement, furent sonnées les cloches de Gabriel et de Marie, pour la sonnerie de Gabriel, 12 s 6 d, pour la sonnerie de Marie et pour les soufflets des orgues, 7 s 11 d, pour la sonnerie de Bourdeaux et de Chartin, 10 s, pour Elum le tour et la perche, 22 d. Le jour du Saint-Sacrement, fut fecté procession en l'église de Saint-Saint-Cernin en la manière accoustumée, en laquelle furent portées les croix de Guincestre et les 2 autres croix de l'église, pour le dit portage, 2 s 1 d, pour porter les 2 textes, 10 d, pour porter les 6 torchers, 2 s 6 d, pour les 3 bannières, 15 d, pour 4 chapillots de roses pour mes seigneurs, 3 s 4 d, pour les gants des jurés, 5 s pour un breyer pour l'une des cloches du petit clochier de plomb, 2 s 6 d. Le samedi 20e juin, fut dit et célébré l'obsèque ou anniversaire de feu Monsieur le Duc de Berry, dont Dieu est l'âme, durant lequel furent sonnées les cloches de Marie et Gabriel, pour 15 hommes qui les sonnèrent, à chacun 15 d. À Jehan Renier, demeurant à Téléville, pour 4 sextiers et une mine de plastre, le sextier 9 s 2 d. À 2 compagnons qui aidèrent au plombier à monter le plomb, 20 d. À Guillaume Porcheret, pour avoir fait guet par jour au clochier de plomb, 17 s 6 d. Pour un semblot de taille pour Gabriel, 4 s 2 d. En Belleuse pour Nectaire l'église, 5 d. À Solc qui sonnèrent au clochier de pierre à la messe dicte et célébrée pour feu Monsieur le Duc de Berry, 2 s, 6 d astérisque 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 autre mise ordinaire fectesse par chacun à n à l'officier des anniversaires. Pour l'anniversaire Archambault de Seclois, 100 s pour l'anniversaire Loïse le Comte, 100 s pour l'anniversaire Pierre de Sanctueil, 70 s pour l'anniversaire Feu Drouet de Crouy, fecté chacun à N au lendemain de la Tiphaine, pour la sonnerie de Marie, 10 s astérisque 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 autre mise extraordinaire non comptée par les Sepmaines. Le dimanche 23e juin 1415, fut envoyé par Adam Brunel, espicier et bourgeois de Paris, 14 saumons de plomb pesant 6555 livres, admenés par Simon Pichon et Jehan le Bailli, demeurant à Chartres et par Jehan Mallet, demeurant à Mantes, pour l'admenage de chacun 104 s audit Adam Brunel, pour les 10 6555 livres de plomb achetés 26 livres chacun millier. À Gillot Saget, orfèvre, pour l'argent et façon d'un image d'argent doré servant pour Saint-Estienne et Saint-Laurence, pesant 15 mar une once 15 esterlin, acheté de lui chacun marque 13 livres 10 s à Monsieur Maître Jacques Charpentier, officier de Louing, a STP la somme de 60 l, c'est à savoir pour l'an 1413 30 l, et pour l'an 1414 30 l,
pour aider à supporter les frais et dépenses de son office à cause des présences feuilles de par chapitre à nos seigneurs et autres notables personnes venant en ceste ville de Chartres. Audique Monsieur Maître Jacques, pour l'année 1415, pour les causes de clérécie dessus, 33 dies 15 s à lui, pour les robes des six jurés et ouvriers de l'Église, c'est à savoir Jehan Leroux, plombier, Jehan Perrier, verrier, Jehan de l'Alletraie, charpentier, Laurence Vuatier, maçon, Philippot de l'Horloge 31, Fèvre et Perrin Itier, orfèvre, à chacun des 10 ouvriers 3 aulnes de drap au prix de 22 s 6 des l'aulne. Note 31, Philippot de l'Horloge est le même que Philippot Mauvoisin. Son surnom de l'Horloge lui venait de l'hôtel de l'Horloge où il demeurait. Aïe c'est lui, pour une aulne pour Arnoul Froumentin, garde de l'hostel de la Loge, 22 s 6 des. À Gilopati, pour les graines liées des torches et du maître hôtel et des petits liés pour les torches et de l'hôtel du roi, des processions de mes seigneurs les maistres et des notaires, 30 s à Perrin de Saint-Lomé, pour la façon de luminaire de l'église, pour lequel luminaire a été dépendu, mis et employé, comme ci-dessus est déclaré, 1185 livres de cire, pour chacune livre 2 dés. À Henriet le peintre, pour dos à lui fait par mes seigneurs de chapitre, 6 litres audic Henriet, pour avoir necteé, verni et blanchi le chandelier ou quelles sont les places d'argent devant le maître hôtel de l'église et fait 12 escoussons aux armes de feu monsieur de Bérimi s cierges et poils le jour que fut dit et célébré son obit en l'église, 20 s astérisque 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 autre mise pour les pensions de cette année. À Philippot Mauvoisin, auquel est deux chacun an à deux termes pour le gouvernement du grand horloge de l'église, 25 litres. À Lucas Leby, organiseur, pour les orgues, 10 litres. À Messire Simon Troisnard, pour le gouvernement des petites horloges de l'église, 10 litres. Pour la garde du chef Saint-Lubin, 100 s pour la garde du chef Saint-Théodore, 100 s à Arnoul Froumentin, pour la garde de l'hostel de la Loge, 4 litres. À Jehan Mottet, pour le petit couvre-feu, 4 litres. À la prieuse des filles Dieu, pour avoir blanchi les aulbes, amites et autres adornements de l'église, 100 s à Pasquier Saint, Cordier, 32 s 6 dés. Pour la pension du clerc, 20 litres. Pour avoir escrypt et grossé ses présences comptes, 60 s pour la garde du chef Sainte-Anne, 50 s somme universelle de toutes les mises 1550 litres 10 s 6 dés obi. Pict. Et la récepte 1843 litres 14 s 6 dés pict. Didaction fecte, reste que les receveurs doivent 343 1. 4 s et de bonne cire 386 livres. Auditus et conclusus fui presens compolu per venerabile vieros magitros de Joannem Boudier, de Joannem Barr, Raginaldom de Montcelli et Robertom Brac, Canonico Carnotens, ad hoc per capitulum deputatos, anno domini m degré ccc c degré 16 degré, 10 sabbati xx iamansi februari. Astérisque 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 Angers, imprimerie à Berdin et compagnie, rue Garnier, 4. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book compte de l'œuvre de la cathédrale de Chartres en 1415 à 1416 astérisque 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 Updated editions will replace the previous ones the old editions will be renamed.
Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.E below. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3.
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license.
You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à cette force in section 3 below. 1.F1.F.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Art Tax Deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol mark commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol mark commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol mark commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.